ça a pas l'air de bugger. Pour l'instant. Putain, j'ai un chat, mec, s'il pouvait se faire écraser, ça m'arrangerait, je te le dis. Oh, bête. Pauvre petit chat. Ah, c'est bon. Mec, il se fout de ta gueule, il passe sa journée à se foutre de ta gueule, gros. Ah, il est en bas, ouais, reste en bas, frère. Pour l'instant, je joue. J'ai lancé le live, il a pas l'air d'avoir de bug. Bon, faut pas parler trop vite, on sait pas. Oh, il y a un cerf, il est blanc. Ah putain, j'ai plus le lasso. Ouais, les traces là, je t'attends, gros. Une étoile. Ah ouais, j'arrive, hein. Un mec avec une charrette, il avance plus. C'est quoi ce groupe de gens? Chérif de West Elizabeth, arrêtez-vous. Ah, mais c'est blindé. Monsieur, arrêtez-vous. Oui, oui, je m'arrête. Bien le bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez mettre pied à terre? Bien sûr. Me présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît. Voici. Je l'ai pas vu. Pas le temps d'arriver, il se fait contrôler. Gros. Alors attendez, je viens de vous la montrer, mais. Vous la voyez? Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît, le cheval qui passe à côté de vous. Est-ce bon? Ne bougez pas, je vous prends en photo. Très bien, très bien.
C'est nickel. Et du coup, c'est tout beau. Eh bien, merci, mon brave. Il y a pas de souci. Faites attention à vous. Très bien, très bien. Pourquoi il y a des problèmes dans la région? On cherche des personnes en particulier. Ok, très bien. Eh bien, je vous souhaite une heureuse journée, mon brave. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je cherche quelqu'un, apparemment. Ouais, c'est pas moi. Mais si, je vous reconnais, ma petite dame. Oui, on s'est déjà vu, oui, on s'est déjà. Bon, à Valentine, on s'est déjà vu aussi. Ah non, tout à l'heure, oui, j'étais aussi. Il y a une meuf, elle a une voix, frère, elle est morte derrière, tu sais. Heureux, il vient de me faire contrôler. Ouais, j'ai entendu. Ça, il m'a pas fouillé ni rien, en tout cas. Heureusement, il m'a pris en photo, le gars. Putain, j'avais oublié mon RP l'espace d'une seconde, tu sais. Ça y est, j'y suis. Et où? Ah, à l'endroit là? Ouais. C'est moi aussi. C'est toi alors que je viens de voir là. C'est ah, je te vois, je suis en haut de la montagne. Ah oui, je te vois. Bah attends, on va couper le... Le Discord. J'espère que ça va pas me faire bugger de couper le Discord. Oui, Ogi. Oui, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, t'as croisé des gens? Bah figure-toi que je viens de me faire contrôler juste en bas. C'est pas eux? Je ne pense pas. Oh, depuis tout à l'heure je suis ici, le monde qui passe par là. J'avais laissé un animal derrière mon cheval et il est plus, hein. Ah. On l'a volé, hein. Où veux-tu donc que l'on aille? Plus vers les terres rouges, tu vois. Dans le désert. Ah, je vais me pousser du chemin. Good morning. Que dirais-tu d'aller à Armadillo? Armadillo. Oui, oui, oui. Armadillo. Et on passe par le ranch. Comme ça, on passe par le ranch. Pourquoi donc? Comme ça, voir s'il y a des gens. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un d'arrêté là. Une dame. Elle a un joli cheval. Oui.
Eh bien. Il semblerait que tu aies fait un stop. Ah oui, net. Par contre, je tenais à te dire que tu devrais baisser un peu ton son parce que je m'entends en écho quand je parle. Ah. C'est léger, mais je m'entends. Là, ça m'a l'air très bien. J'ai rien fait. Ok, bah. Ah, non, bah ça revient. Ouais, c'est bizarre. Peut-être, comme ça, ça sera bon. Voyons voir. Non, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas... C'est léger. Mais disons que s'il y a quelqu'un qui crie à côté de toi, il s'entendra. Mais c'est pas tout le temps. Genre là, ça ne le fait pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, messieurs. Oui. Auriez-vous un feu de camp à vendre? Non. Du quoi? Un feu de camp. Ah, du temps, oui, j'ai beaucoup de temps, moi, à vendre. Un feu de camp. Un feu de camp, Birdie. Ah, je comprends tout de travers. Non, désolé. Pas de problème. Et bah, si vous allez à la minuterie, allez dire aux gitans, là, d'aller se faire enculer. Merci. Okay. Ok, très bien. On fait quoi? On va à la menuiserie, on va dire aux gitans d'aller se faire enculer? Non, je ne pense pas. D'accord. Wow. 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 Ce sont les natifs. Il semble que les natifs, quand ils se baladent avec leur tambour de guerre. Oui, j'ai entendu, oui, l'orchestre. Peut-être qu'ils préparent quelque chose, hein. Oh, un feu de camp, je croyais qu'il voulait du temps. Bien sûr, j'ai du temps à vendre. Comme t'enlèves ta cam en fait. Bah parce que c'est comme ça que ça se fait en vrai en RP. Et je me dis, j'ai tellement des bugs et tout que c'est peut-être ça, on sait pas. Mais je peux essayer de la remettre, mais j'ai peur que ça me fasse bugger quoi. Ah mais on peut faire cuire à manger et tout ici. Attends, on va essayer de la remettre. Je vais essayer de la remettre vite fait. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air de bugger, donc on va voir comme ça. C'est un truc comme ça, la caravane, là. Oui. J'espère que ça va pas me faire bugger. Ah,
Par où il me fait passer, wesh? Déjà là depuis que j'ai repris ça bug pas donc c'est souvent ça en fait, faut redémarrer PC à chaque fois et casser les couilles. Ouais, juste sur Red Dead. Tous les autres jeux frère que je joue, j'ai aucun problème. Il y a que Red Dead et t'as vu, ça fait comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure tu l'as pas vu, mais ça m'écrivait DE, 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 tu sais, c'est mon clavier, ça fait bugger mon clavier, genre. C'est même pas une question de co ou quoi, tu vois, c'est une question de... ça fait bugger. Et je suis sûr c'est que sur Red Dead RP, tu vois, parce que genre si je joue à Red Dead normal, je suis sûr que ça bug pas. Il faudra que je teste. De jouer à Red Dead normal. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas refait Red Dead, mais après je l'avais fini Red Dead quoi donc. Comment ? Ah, dans l'eau, il doit rapporter beaucoup de sous lui. Un cerf, il était énorme. Oh, t'as vu les poissons, comment ils sautent ? Ouais, on a pas de canne à pêche, on a rien. On peut traverser ici, mais c'est compliqué. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Courant gros, c'est merde. Ta monture va non, finir non. Par mourir hein. Non, il m'a planté. Ta monture va finir par mourir à force hein. Non, ok. Non, ça va, ça va, ça va, je n'ai rien. Oui, c'est la première fois qu'il fait que tomber là, je sais pas ce qu'il a. Il fait que scrouter. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de bug, donc c'est pas plus mal. Il faut aller au ranch, je prends du foin.
Oui. Je te suis. Mais je me demande. Il demandait un feu de camp à vendre. Tu aurais peut-être pu leur vendre un feu de camp. Tu sais faire les feux de camp? Non, je sais pas faire les feux de camp. Ah, ok. Maximale. Ah oui, il n'est pas bien. Bonsoir. Bienvenue à McFarlane Ranch. Vous avez visité les couverts. Tu fais un panneau publicitaire, c'est ça? Ah non, c'est peut-être qu'ils ont fusé à la main, non? Qu'ils ont pas inquiété, non? Ah si, t'as envie de rigoler à faire... Tu veux pas du foin, toi, Augie? Non, ça va aller. Tu as vu ce cheval? Quelle beauté! Il a des reflets rouges. Il est très beau. Il est haut. Voilà pour vous, ça fait $1 s'il vous plaît, petit. Ah mais... Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Allez, c'est bon, on peut donner à manger aux chevaux. Tu vois, il s'est encore détaché. Il n'est pas possible. Oui, nous pouvons leur demander s'ils savent où on peut trouver une canne à pêche, n'est-ce pas? Ah oui, attends, juste donne à manger à mon cheval. Comment ça, les parés? Bonjour. Bonjour, messieurs dames. Écoute. Comment ça? Ah, sinon. Quoi? Ah, merde, bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous seriez où on peut acheter une canne à pêche? À la pêcherie. Alors, c'est dans le bayou vers Nostine. Désolé, mais celui-là, c'est le plus beau des chevaux. Hein. Merci, mon brave. Bonne soirée à vous. Ah, pardon, bonne soirée à vous également. Il me dit que c'est dans le bayou vers Nostine qu'on peut acheter une canne à pêche, mon brave. Tu vas aller faire un tour là-bas? Vous allez voir, c'est l'entreprise, ça s'appelle la pêcherie. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais, tout ce qu'il vous trouve, les appâts qui vont avec. Vous savez à peu près combien c'est ça coûte? Impeccable. Honnêtement, pas du tout, je peux pas vous dire de fausses indications. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, vous rajoutez à ça les appâts et suivant ce que vous prévoyez de pêcher, voyez-vous. Très bien. Bah, on va aller faire un tour là-bas. Tu veux aller maintenant? Non, plus tard. Allez, si ça nous va. Si nous voulons nous faire une partie de pêche. Oui, moi je veux bien.
Non, vois-tu, il faut que je me... que nous nous... nous fassions un peu d'argent avant. Oui, vas-y, on va aller voir les copains. Par contre, il va vraiment falloir que tu règles ton problème. Je sais pas, peut-être mettre un truc pour que tu ne parles que de temps en temps, parce que... T'en viens avec moi, je vais essayer un truc. Oui. Moi, quand je parle, c'est quoi? Ça fait quoi? Bah, en fait, c'est plutôt moi là, tu vois. Moi là, actuellement. Voilà, là, ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, ça ne capte plus. Mais sinon, je m'entends, en fait. Ce n'est pas. Mais c'est quand même, quoi. On m'entend quand même, quoi. Ce n'est pas élevé non plus, mais. Je m'entends. Je comprends. Je comprends pas comment, en fait. Ben, en fait. HRP, gros. C'est que, en fait, ton casque, il doit être... le son de ton casque, il doit être trop fort. Ouais, je l'ai baissé, gros. J'entends plus rien, presque. Ah ouais, bah non, bah c'est pas ça, alors. Ou peut-être... Vas-y, attends, je le baisse à fond et tu parles voir. Oui. Là, je suis en train de parler. Là, je n'entends rien du tout. Ouais, c'est ça. Il semble vraiment... Ah, là, j'entends. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, tu... quand tu l'avais baissé à fond, j'entendais rien. Ouais, c'est ton casque qui est trop... qui est pas trop fort, mais qui est... Ouais, là, j'entends plus rien du tout, là. Ah ouais? Ouais. Ah non. Vas-y. Non, non. Mais en fait, c'est dès que tu parles, tu vois, dès que tu parles, ton truc, il se détruit. C'est pour ça que je t'ai dit, peut-être mettre une touche sur TeamSpeak. J'ai une touche pour parler. Ah, t'as une touche pour parler? Ah ouais. Et bah, peut-être quand tu restes appuyé dessus, je sais pas. Là, 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 j'entends plus rien. Ouais. Là, j'entends. Ok, du coup, c'est quand j'appuie que tu... Ouais. Okay. Ouais, bah ouais, c'est logique. C'est ouf. C'est pour ça quand tu fais des scènes... des grosses scènes... essaye de pas parler en même temps que les autres ou quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ils vont s'entendre en écho, ça va les saouler. Vas-y, de toute façon, j'irai voir ça sur ton Star Audif là et j'essaierai de régler. Ouais, de toute façon, c'est pas. Ouais, voilà, tu vois. Là, je m'entends là. Là, je m'entends plus. Ouais, parce que quand j'appuie. Ouais, c'est pas excessif quoi. C'est pas non plus comme si ça gueulait non plus, tu vois, mais t'entends un petit écho quoi. Yes. Mais c'est ça, hein, c'est les casques. Hein. Et au pire, je fais RP muet, frère, hein, et tu parles. Mais non, on peut pas faire plein de gestes là. Non, non, mais fais pas RP muet, tu vois, juste. Bah... Non, mais je vais essayer que dès qu'il y a un mec qui parle, je lâche. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste ça. C'est juste que quand il y a quelqu'un qui parle, tu lâches et puis là, genre là, tu vois, je m'entends pas un écho du tout, tu vois. Moi, après, moi, ça me gêne pas, hein. C'est surtout pour les autres, tu vois, ils risquent de te le dire, quoi, tu vois. Ouais. Bon, allez, bon, on reprend la route. T'as quoi avant, toi? Je sais pas, il faudrait que je regarde dans ma sacoche, mais j'ai pas mal d'objets. Ah ouais, mais on a tous les trucs qu'on avait fait l'autre fois, là, putain. Ouais, ouais, on a beaucoup de trucs. Normalement, hein. Après, il faudrait que je regarde dans ma sacoche, ça se trouve, j'ai plus rien, on va arriver là-bas. Mais quand on arrivera là-bas, on regardera. Mais je me souviens même plus comment on fait. Vas-y, vas-y, moi j'ai plein de trucs, j'ai regardé tout à l'heure. Car il est branché en fil, non? Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais, non, mais ça, je pense que ça a un à voir avec le... c'est son casque est trop sensible en fait. Et l'isolation de son casque qui. Voilà quoi, tu vois. Après, comme tu dis, il y a peut-être des réglages à faire. Hein. Mais sur Discord, je l'entendais pas du tout. Tu vois, ça faisait rien sur Discord, tu vois. Donc c'est bizarre. Peut-être dans les réglages à faire. Son casque se mélange
bouge avec le son de son micro. À la tempête. Ouais, ouais, mais je pense que t'as raison, je pense en fait que j'ai... C'est pas son casque qui entend... Ou alors tout simplement son micro qui est trop sensible, je sais pas. Ouais, t'as vu les éclairs, mais c'est stylé, t'as vu comment que c'est trop stylé? Voilà, t'as vu, tu vois le feu et tout. Mais je sais pas si tu peux te faire foudroyer, je crois que tu peux te faire foudroyer. T'as vu l'éclair là qui est tombé? Je sais pas si tu l'as vu avec la cam et tout. Mais t'as vu, tu vois les éclairs qui tombent au loin et tout, ça c'est trop stylé. Même le feu il est trop stylé sur Red Dead, il se propage et tout, tu vois. Genre vraiment bien fait le jeu quoi. Après ils ont mis des années à le développer ce jeu. Ah ouais, tu y as jamais joué même sur console ou quoi? Moi j'y jouais sur console à l'époque. Je l'avais fini le jeu sur console. Ah ouais, tu découvres. Ah franchement, mais c'est un putain de bête de jeu. Ils ont mis je sais pas combien de temps à le développer et tout. Genre comparé à GTA quoi, il est 100 fois mieux quoi. Même si GTA c'est bien, celui-là il est tombé quoi. Il y a des pierres à polir aussi, je sais pas à quoi ça sert mais... Ah ouais, ouais, de fou. Encore moi, je suis en assez bonne qualité, mais je crois que tu peux te mettre encore en meilleure qualité, je crois. Pardon. Je remplis ma gourde. Moi aussi je bois, tu vois, avant. Et je vais la remplir après. Il n'y a pas nos collègues. Oui. Mais tu as vu, il y a le shérif juste là-bas. Ouais. C'est sûrement pour ça. Je vais voir s'ils sont pas derrière quand même. Non. Ah, après j'ai augmenté la qualité sur mon live. Hein. Normalement j'ai une bonne qualité maintenant. Genre je peux. Normalement je crois que tu peux le mettre en plus de 60-20p maintenant. Je crois. Hein. De 720p. Là non je peux pas. Ah ok. Bon bah c'est Streamlabs qui a refait un truc. Ouais. Bah après c'est pas plus mal hein parce que... Vu comment que ça bug et tout. Il
Ouah, le bayou, c'est à côté de Saint-Denis là-bas. Oui. Putain, attends. Le truc, c'est qu'il me reste que $1. Il faut qu'on trouve des collègues. Eh bien, oui. Mais là, ouais, s'il y a le shérif, ça va être complicado. Moi, après, j'ai $2. Hein. Moi, après, j'ai $2, moi aussi. Hein. Ouais, je sais pas combien ça coûte tout ça, la canne, les appâts. Oui, je ne sais pas non plus. La canne, ça doit être $2, je sais pas. Mais là, ouais, c'est bizarre qu'il y ait personne ici. Ça, il y a un shérif, il a fait fuir tout le monde. Oui, j'ai bien l'impression. Yeah. J'ai peur, hein. Ah, c'est un collègue, mais non, le statut de dos avec le chapeau. Hein. Je ne sais pas. Non, c'est le shérif. Nous pouvons aller leur parler. C'est pour mon whisky, ouais. Ah, c'est voilà. Et ouais, ouais. Whisky m'a porté, mine de rien. C'est vrai. Voilà, bonsoir, monsieur. Hola, Hermano, comment va? Bonsoir. Moi bien. Et vous? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va. On boit, on trinque, on fait les retrouvailles. On profite de la fraîcheur du soir. Ouais. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Ogi. Ogmi, excuse-moi. Ogmi, mais vous pouvez m'appeler Ogi. D'accord. Et vous venez d'où comme ça? Vous êtes du coin? Ogmi, mais c'est pas vous qui vouliez vous présenter comme maire? Si, c'est moi, mais il semble. Maire de quoi? De New Austin? Oui, mais j'ai loupé l'élection. Non, monsieur, refusez tout de suite. C'est une mauvaise idée. Oui, non, mais en plus, tout le monde me l'a dit. Le pauvre, il est venu il y a 2-3 semaines pour faire les présentations, un peu rencontrer du monde. Il y a le Marshall qui. Pas le Marshall, pas de connard, là, le Ranger qui est tombé. Ah, oh, d'accord, ok. Ouais, oui. Ça fait pas une bonne aperçue, ouais, forcément. Ouais. Bah d'ailleurs, rassurez-vous, il est plus là, hein, c'est fini. Lui, hein. Ah, ça y est. Oui, apparemment, ouais. La loi martiale est finie aussi. La loi martiale est finie. Le connard de Ranger en question, lui. A dégagé. Fait, il a dégagé au Mexique parce qu'en fait, sa tête est mise à prix mort au vif. Mm. Par le gouvernement, hein, je précise. Du coup, les rangers, bah, y a un nouveau bureau des rangers, mais beaucoup plus soft et plus calme, enfin plus compréhensif en tout cas, cassement les couilles, donc ça se passe beaucoup mieux. Et puis voilà. Et ouais, vous avez débarqué au pire moment, ouais. Oui, bah, en fait, je voulais me présenter en tant que maire, surtout pour changer les choses, parce que cette loi martiale, je la trouvais vraiment injuste et... Et c'est surtout pour changer ça. Et vous avez toujours l'idée d'être maire? Je ne sais guère. Hein, car... Oh, bah, je pense que vous avez plus trop envie, là. Bah, en fait, ce n'est pas ça. C'est surtout que... j'ai été à Saint-Denis pour me renseigner, pour devenir maire. Mmh. Et puis, j'ai trouvé les gens de Saint-Denis plutôt... Comment dirais-je? Ah non, c'est bizarre. Attends, laisse-moi deviner. Laissez-le parler. Ouais, bien sûr. Je les ai trouvés un peu élitistes et j'avais un peu l'impression d'être un fantôme, alors je voyez-vous. Je suis surpris. Et voilà, c'était surtout ça. Moi, je voulais surtout changer les choses dans les hautes sphères, voyez-vous, mais... C'est la première fois que j'entends ça, dis donc. Oui, moi aussi, je suis surpris d'entendre ça. Les gens de Saint-Denis sont quand même très respectables. Peut-être bien, oui, respectables, oui, mais bien élevés, je ne sais pas. Non, c'est des cons, on va pas se mentir. N'allez surtout pas là-bas. Regarde les gens dormir, c'est leur passion. Oui, voilà, c'est ça. Tu as un peu l'impression d'être invisible à leurs yeux et... Ah bah, moi, je me suis Quoi, je t'ai pas dit, j'ai détruit un gars de Saint-Denis il y a quelques jours.
Comment ça détruit? Bah en fait, j'étais en train de me balader et il m'a insulté de pouilleux, je sais pas trop ce qu'il m'a dit. J'ai dit, oh là, faut me respecter l'ami, j'étais pas... Ouais, j'ai un fait spécial, quoi. Il m'a dit sans le Mexicanos ou je sais pas quoi, et du coup, bah, je lui ai bourré la gueule contre une ruelle. Oh. Ouais, je l'ai laissé dans la ruelle. Bah, en même temps, il est un peu cherché. Je suis désolé, McCoy. Si on insulte les gens, c'est forcément qu'on cherche, on va dire, la confrontation, quoi. Ah bah, son monocle, c'est devenu une pupille. Ah ouais, ah, j'ai pas mis longtemps, ouais, j'en avais marre. Ah, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Ah, tu verrais comme il va parler. Ah, c'est tous les mêmes, les Américains. Oh, je peux pas aller voir encore plus Saint-Denis. Saint-Denis, Rhodes, j'ai du mal. Après, Valentine, Blackwater, ça passe. Stromberry, ça reste correct. Mais dès qu'on s'écarte de là-bas, waouh, l'air est compliqué. Oui, les gens ont de l'argent et on dirait que cela a supprimé leur bonne bannière. Ouais, ouais, j'ai l'impression, ouais. Ils ont de l'argent, mais pas de couilles. Ouais, oui, ils ont un peu la tête dans les bouquins, quoi. Oui, c'est cela. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas devenir... Enfin, je voulais devenir mère, et après, quand j'ai vu qu'il fallait faire des faire-part, de mariage, qu'il fallait faire plein de choses... Oh. Cela m'a ennuyé, en fait. Je ne suis point un bureaucrate, voyez-vous. D'ailleurs, vous êtes marié, monsieur? Non, je ne suis pas marié. Ah. Et vous avez quoi comme ambition, du coup, maintenant, alors? Je ne sais pas. Peut-être monter vous un petit... Vous voulez pas prendre le saloon? Ah, le saloon est... Ouais, il est disponible. Ah bon, ça peut être pas mal. Hein. Bah, c'est vrai que, bah, encore une fois, on en revient au même truc. Hein. Le Ranger Diaz a fait fuir à peu près toute la ville. Du coup, actuellement en ville, vous avez l'armurerie. Voilà. Ah, l'armurière est toujours là. Ouais, bah, moi je suis le copatron. Elle est là jusqu'à mercredi en fait. À partir de mercredi, elle est plus là justement. Oh, dommage. Après, ça devient un armurier. Après, ça devient un armurier en effet. McCoy, mais du coup, présent. C'est ça, les médecins, ils recommencent à revenir un peu dans le coin, même si du coup, ils sont un peu été dégoûtés de la situation. Le saloon a fermé, et puis du coup, Emerald Ranch qui a rouvert, c'est les anciens du saloon d'ici, en fait. Hein. Ils ont carrément décidé de changer de comté pour plus avoir affaire aux Rangers, en fait. Enfin, ils ont vraiment retourné toute la ville, quoi. Même l'armurière, hein, j'étais tombé à un moment où là, le ranger embêtait beaucoup l'armurière et l'armurière avait l'air d'être vraiment à bout. Oh, oui. C'est pour ça que je lui ai dit à la patronne en rentrée et puis du coup elle est partie se coucher. Mais on est de retour au Mexique, ça va changer. Mais excusez-moi, c'est quoi un ranger? Ça y est, on change. Ah oui, c'est normal, normal. Ouais, en fait c'est nouveau ça, c'est une espèce d'homme de loi qui, soi-disant, veille au grain que tout se passe bien et avec des lois. C'est plus ou moins des shérifs quoi, mais... Ouais, voilà. Des shérifs qui se croient tout permis, voyez-vous. Ouais, c'est parti un peu en cacahuète, si je peux se permettre. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Puis alors, ils ont profité un peu trop de leurs droits, voire plus. Ça n'a pas mis une bonne image. Ouais. Le pouvoir est la dictature. C'est ça. Mais ça s'est calmé maintenant, et je pense que ça va bien repartir. En tout cas, le nouveau, là, c'est Carfree et les Rangers, comme il dit, lui, lui-même, en fait, c'est le premier à être, on va pas dire désolé, mais c'est quoi le mot? Enfin, en gros, à s'en vouloir de ce qui s'est passé, parce que... Ouais, McCoy, n'oublie pas qu'il a pas levé le petit doigt, il a suivi les ordres, comme un vieux bétail. Hein. Après, hein, quand c'est les Rangers, c'est des fédéraux, hein, je veux dire, c'est comme l'armée, quoi, je veux dire... C'est pour ça que je supporte pas tout ce qui est shérif, tout ça, je supporte pas. Ton chef, ça doit être un con, toi t'es soldat, toi t'es obligé de suivre, en fait, hein, mais lui, justement, c'est ce qu'il veut pas faire, toi. Ouais. Pour ça que là, le premier truc qu'il a fait, avec Eddie Monde, direct, il est venu parler, il est venu, mais poliment, toi, enfin, voilà, comme il disait, que c'était le premier à cracher sur la gueule de Diaz, justement, en mode, ça aurait jamais dû se passer, en fait, Et justement, c'est ça. Donc, le Diaz, c'est lui qui nous a informés. Les Marshall aussi qui sont. Putain, ça fait fort, ça, par contre. J'arrive pas à lui remettre. On a carrément donc l'ancien chef et sa femme des Marshall qui sont également recherchés. Ouais. Ah, voilà. Donc, ça rend d'ailleurs, si vous les voyez, n'hésitez pas. C'est $250. Moi, je suis preneur. Ouais, wow. Je suis preneur aussi. Ah, ouais, ouais. Un gros barbu et une femme. Après, calculez bien votre coup, hein, parce que... Bon, t'inquiète pas, pour moi.
Ça reste des Marshall, quoi. Même s'ils sont plus Marshall, ils ont quand même tout l'artillerie derrière. Et, enfin, ils, voilà, c'est pas les Pékins, ouais. Les Pékins venus, quoi. Ah bah, ça c'est se passe sûr. Comment à Tumbleweed? Bon, bah, très bien, hein. Il y a beaucoup de mineurs là-bas. C'est un peu la ville mineure, quoi. Ok, beaucoup de travail. Se passe bien. Et les banditos ne sont pas en ville? Bah, il y en avait tout à l'heure, mais enfin, ils sont pas restés longtemps. Et ceux qu'on voyait habituellement, qui au final sont un peu les habitants hein, d'Armadillo, je les ai pas revus depuis. En même temps, il y a eu des gros soucis dernièrement aussi. Oui, ça va revenir. Non, en vérité, moi je leur ai parlé, ça m'a l'air d'être des gens vraiment très bien et des gens, des hommes d'honneur. Bah, c'est ça le pire, c'est que justement, c'est ceux qu'on appelle bandito qui au final sont plus respectables que ceux qu'on appelle force de l'ordre. Oui. On est d'accord. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Mm. Non, non, franchement, moi je leur ai parlé, j'ai des très bons termes avec eux. Ils sont des hommes d'honneur, ils ont qu'une parole, c'est plutôt bien. Ah bah, oui. Ils sont sur Amadio, du coup. Bah ils sont dans le comté après. Ouais, ils sont de passage, Armadio, ils restent pas souvent. Ils passent régulièrement, mais c'est vrai qu'on les voit plus trop là. Depuis Atopi qu'il y avait justement le Ranger Diaz. Oui, et puis surtout la loi martiale, hein. Ouais. Bizarrement, je crois qu'ils attendaient que ça en fait, parce que ça les faisait chier, mais ils traînaient, ils attendaient qu'une chose, c'est que ça leur tombe dessus pour justement, on va dire, y mettre fin définitivement. Bon, ça s'est pas passé comme ça. C'est vrai. Ok, ça marche. Ouais, vous savez, je suis à la recherche d'argent. Donc. Ça l'a bien compris, Mano. Ce qui peut s'en rapprocher, moi je sais. Ouais. Bonsoir. Oh. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bah, avec plaisir, si on peut vous aider, on vous aidera. Après, faites attention, monsieur, vous êtes à la recherche d'argent, mais allez pas foutre en l'air votre vie non plus. Oui, bien sûr, et bien, mettez pas trop le pied dans le sombre. Bien ma gueule que je suis pas si comme ça. Ouais, ça se voit. Vous êtes pas un gars de Sandy, vous. Ah, oui. Si je peux me permettre. Surtout pas. Ouais. Non, mais on voit sur le visage du monsieur que c'est quelqu'un de débrouillard, quoi. Exactement. Bah, dans ce pays, il vaut mieux, oui. Ah, il faut bien se salir les mains de temps en temps. Oui. Ah bah, je connais aucune main qui est restée propre. Hein. Qui est restée propre, c'est vrai. Ouais. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, mon brave. Excusez-moi, vous avez bu chaudi. Elle est repartie tout à l'heure, il y a un petit moment déjà. Ouais, direction le ranch par là-bas. Mais, oh oui. Ah, mais elle s'en envie du ranch. Ah, après, Blackwater aussi, des fois elle va à Blackwater. Ah, vous êtes le patron de la mine? Oui, c'est ça. Nous nous sommes parlé là, il y a guère longtemps. C'était pourquoi? C'était sur des renseignements pour devenir maire. Vous vous souvenez pas de moi? C'était du passé, hein, bien sûr. Oui. J'ai encore quelques ambitions politiques. Je ne veux pas vous mentir. Oui. Eh ben là, il y a un monsieur qui peut vous intéresser justement. Non, ne me dis pas qu'encore un maire qui va se présenter. Ah bon? Non. Mais il peut vous aider pour vos élections, si jamais. Vous pouvez m'aider? Oui, non, mais ouais. Moi, je dis ça comme ça. Non, c'est Maggie qui sera maire. Ah oui, il me semblait que l'élection avait déjà été faite. Comment ça? Elle n'est pas faite, hein, mais... Elle n'est pas faite, hein. Elle n'est pas faite, disons que... C'est quoi? C'est pas mercredi ou un truc comme ça? Non, c'est plus... Enfin, c'est prochainement, mais c'est pas encore fait. Ouais, c'est prochainement. Ah, peut-être la prochaine fois. De toute façon, apparemment, les maires ne font pas long feu. Oui, c'est pas faux. Je vais attendre de connaître un petit peu mieux le comté, voyez-vous. Non, moi j'ai confiance, au nouveau maire. Moi aussi. Ouais. Puis pour Maggie, C'est pas le maire en question, c'est son entourage qui... Ah oui, alors toi, je sais de qui tu parles. Tu parles de qui? C'est pas possible, McCoy. Tu peux faire confiance. Je suis un vieux têtu, moi. Ouais, non mais je sais, je te connais. Maggie, dites-vous? Ouais, c'est notre futur maire. Ah, j'irai lui parler. Avec plaisir. Elle a des bonnes ambitions pour lui aussi, non? Vraiment. Ah oui, comme quoi? Des événements, des trucs qui fera ramener du monde, faire vivre le pays.
repeupler. Et il ne cherche pas un adjoint au maire ? Bon bah alors là, faut voir que elle, directement, je pense. Moi, j'y connais rien dans tout ça. Peut-être, hein. Pourquoi pas. Si ça peut la soulager dans la paperasse, des trucs comme ça. Bien sûr. Vous voulez soulager Chogny ? Non. Ah, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille fortement quand même. Oui, ah, parce que vous allez finir derrière, là, chez le vendeur de cercueil. Non. Il va non, prendre non, vos mesures directement. Non, mais pourquoi pas. Comment. Faut bien commencer quelque part. Ben oui, pourquoi pas, oui, si vous voulez. Après, faut voir directement avec elle, comme je vous dis. Hein. Ça, c'est... Tant que c'est elle qui reste mère, y'a pas de problème. Histoire de me renseigner, savoir quel est son emploi, comment que ça marche, connaître les ficelles un peu. Je vois. Vous avez des ambitions. Voilà, tout à fait. Ouais, pas trop d'ambition, hein. Non, bah non, bien sûr. Il faut rester discret. Il faut avoir des ambitions. Oui, c'est bien, mais pas au point de dépasser la personne qui veut être mère, hein, on est d'accord. Non. Ah oui. Non. Bien sûr. Je ne veux pas faire un putsch. Si fait les choses mieux que le maire en question. McCoy, tu fermes ta bouche. C'est clair. Sinon, je te crève le deuxième équipe test. Ah non, moi, il reste plus qu'un. Ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. Putain, eh vous. Vraiment. Vous êtes sûr de vous, là. Bah, oui. Okay. C'est bien la concurrence, patron, ça pousse les autres à être meilleurs. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, je vois. Non, mais en soi, moi j'avoue que j'ai pas trop d'avis. Enfin, autant Maggie que ou quelqu'un d'autre, enfin, faut voir réellement les programmes ou les choses qui peuvent vraiment être mises en place. Quoi. Enfin... Voilà, salut. Bonsoir. Bien. Voilà. Ah ouais, il a abusé sur la bouteille. Putain de merde. Pourquoi il doit être bizarrement lui. Non, mais il est, ouais, c'est le monsieur, il vient souvent ici. Il est. Pff. Ce qu'il veut. Ah là, il est en dépression parce que le saloon il est fermé. Ouais. Ah, laissez-le, hermano, c'est un habitué, c'est. Il est pas méchant. Il est gentil, il va se coucher, regarde. D'ailleurs, il devrait se coucher un bâtiment après. Il y a déjà son cercueil là-bas qui l'attend. Et ouais, on est proche. Il y a un petit coussin dedans, là, qui a déjà son lit. Hein. Ouais, et avant, il dormait devant le saloon, après, il dormait devant l'autre bâtiment là, Gunsmith, et après, toi, il se rapproche. Et pendant qu'il dort, on perd, et puis on le met dans un trou. Encore deux années et c'est bon. Derrière l'armure, il y a déjà des trous de creusés, c'est parfait. Ah, c'est vrai. C'est pratique ça. Ça peut servir. Bah, en tout cas, ouais, ça peut être pas mal des événements, non, ici dans le coin. Oui. Bah, non. On pouvait dire ce qu'on pensait de Murphy, mais en attendant, alors certes, en couleur, un peu guberlune, mais en attendant, il s'investissait, il essayait de faire, il essayait de faire des choses pour le compter. Ah bon, c'est un honneur. Et voilà, quoi, il a fait ce qu'il a fait, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, mais en attendant. Ouais, c'est vrai qu'il s'investissait pour New Austin. Bon, en même temps, quand t'es maire, vaut mieux t'investir quand même. Hein. Tu fais pas ça pour rien. Hein. Si t'es juste là pour prendre les impôts, oui, c'est pas ouais. Fou, quoi, ouais. Tu fais pas long feu. Hein. C'est sûr. Mais c'était quand même un bon maire. Hein. Oui, à part quand il a voulu se casser avec les impôts de la ville. Voilà, c'est pour ouais, ça. Bah, après il a déraillé. Dit, ouais. Il a fait ce qu'il a fait, histoire de pas trop. Si on prend pas en compte, oui. Il en a fait des belles. J'avais entendu parler de Rudbiche. C'est un événement qui pourrait être bien. Et d'ailleurs. Ah ça. D'ailleurs, le comté de New Austin n'a pas d'équipe, à ce que je crois, non. Il y en a une. Et les Swaggards de l'Ouest. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de match de Rudbiche? Oh, longtemps. Moment, ouais. Ah ouais, en même temps, les 2-3 dernières semaines, c'était un peu compliqué aussi. Bon, on peut pas créer une deuxième équipe, là. Si, moi j'aimerais bien la financer. Deuxième division, c'est ça. Deuxième, ouais. Moi j'aimerais bien financer la rugby. Ah ouais. Ça a l'air amusant, en plus. Oui, ça a l'air vraiment amusant. Ah ouais. Plus Derek, toi t'as la carrure exprès pour, en plus. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, t'as vu qu'il y avait un gala de boxe, là. Pourquoi ? Ah oui, il y en aurait à la mine, d'ailleurs, dans pas longtemps. La distillerie du Bayou là, qui organise ça. Ah, Derek, c'est que justement j'ai croisé une fille, elle était toute petite et elle veut s'inscrire. Ouais, mais bah vraiment. J'ai vu des filles qui combattaient quand j'ai fait le tournoi de boxe dernier là. Non, mais elle a essayé de me plaquer, j'ai pas bougé, genre. Alors, ouais. Bah, vraiment aucune chance. Bon, après, c'est bien, elle essaye, ça fait un sport, faut essayer, c'est ouvert à tout le monde. Ah, faut essayer, mais si elle finit chez le docteur. Vous viendrez à la.
Ah bah c'est la box. Monsieur le patron de la mine, vous cherchez toujours des employés? Oui. J'ai mon ami là-bas qui peut-être cherche un travail et puis pourquoi pas moi en attendant. Vous êtes motivé? Oui. Vous êtes motivé, ça me va. Hey, ouais, refaites-la. Ouais. Non, parce que... Ouais, c'est dur. Là, je recrute des gens qui sont pas très motivés, quoi. Ah oui. Il y a le monsieur en France aussi, là, en face de moi, qui cherche un travail. Ouais, c'est vrai. Il faudrait peut-être mieux les payer. C'est l'entreprise qui paye le mieux dans le pays. Ah oui. Oui. Donc, je confirme. D'un moment, c'est dur. Pourquoi pas, bon. Réfléchir, je vous recontacterai plus tard, de toute façon, vous êtes par là. Oui, je suis à Templewind, normalement. Ça marche. Attendez, je vais en parler à mon ami. Allez-y. Et je ne vais pas vous mentir, vous allez peut-être débaucher, parce qu'il est déjà mineur dans une autre mine, mais cela ne s'est pas bien passé, voyez-vous. Ah tiens donc. Ah, comme par hasard. Dis donc. Vous nous en direz tant. Bah, je suis vraiment surpris. Hein. C'est pas comme si 50% des employés venaient de là-bas. Voilà. Je reviens. C'est bien, le patron, il récupère tous les mineurs de là-bas. Birdie? Oui. Birdie? Je viens de parler avec le patron de la mine, vois-tu? Oui. Ah. Et de Tumbleweed. Ah, ça va, je croyais que c'était mon patron, j'allais me dire oh my god. Non, ce n'est pas ton patron. Mais voudrais-tu que ça le devienne? Non. Ah, tu es sûr? À ce qui paraît, il peine mieux que l'autre et... Et ce serait bien de trouver un travail, histoire de faire un peu d'argent, tu vois? Ça me tombe pas. Se casser le cul pour... Es-tu sûr? Ouais. Mais là, ça ne sera pas Orpailleur, hein. Il me fait peur, Payeur. Non. Moi, je me demandais. Passer sa journée pour 7 dollars, gros. Ouais. Apparemment, c'est le travail qui paye le mieux. Hein. Ouais. Travail d'égal. Oui, mais rien ne nous empêche de travailler chez lui quand on ne peut pas faire autre chose. Et genre là, actuellement, nous pouvons rien faire, vois-tu? Oui. Là, actuellement, il faut trouver ces putains de mecs, là. Normalement demain il y a la formation compta, stockage, tout ça, enfin elle va me montrer un peu tout ça. Et puis je vais voir en fonction de ce qu'elle me montre dans le stockage s'il y a vraiment besoin. Mais de toute façon il va bien falloir que je sais pas qu'on mette un contrat en place ou qu'on fasse un truc. Parce que bah je vous cache pas que entre me livrer à Tumbleweed et me livrer à Heinsberg, je vais les. Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Bonsoir. Mais bonsoir. 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 D'ailleurs, Maca, il faut que je sois présent ou pour voir en même temps ou c'est juste pour le patron? Bah, au moins déjà moi que je sois présent pour voir un peu le truc, quoi. Puis bien sûr. Tout ça. Après, une fois que c'est fait, j'ai envie de dire. Tu me feras une formation. Yes. Ça c'est marche. Pareil aussi, il y a le livret de comptabilité, il faut qu'elle me donne des droits aussi. Ah ouais. Mais ouais, c'est prévu. Cette place soir, c'est un peu le bordel, mais comme elle a dit, demain soir. On s'occupe de tout ça. Mercredi, du coup, c'est un mercredi. Moi, je vois le. J'aurais pas à retenir. C'est monsieur Wesley. Ouais. Ouais, bah c'est le gouvernement. Voilà, enfin, en gros, voilà, je vois le gouvernement mercredi. Et mercredi, officiellement, je reprends les clés. Donc voilà, quoi. Parlez-y que vous aimeriez bien voir d'abord pour faire les fusils éléphants. Oui. Et Didier qu'il n'y a pas beaucoup dans New Austin. Rappelez-lui, je vais rappeler tous les jours, mais je vais faire une petite piqueur de rappel en plus. Ça marche, ben, je n'y manquerai pas. Ouais. Je vous avoue qu'il le mettra, mais il n'ose même plus me répondre. Bah, du coup, je vais d'abord récupérer les clés avant de leur parler, parce que si moi aussi je commence à le harceler pour ça qu'il ne me répond plus après, je vais être comme un con. Ah, mais pendant l'entretien, vous dites, ça serait bien d'avoir quelques pépites d'or dans New Austin. Ouais, qu'on trouve un petit filon là, quelque part, ce serait pas mal, hein. Oui, vous me dites juste ça, moi c'est ce que j'ai fait hein, quand il m'a donné l'idée. Et ouais, il n'y manquerait pas. Oui, mais voyez-vous, leur paillage apparemment ne rapporte pas grand-chose.
Ça dépend. Ça dépend le temps que vous y passez. Et ça dépend votre patron. Ouais. Oui. Oh, moi ça va, ça rapporte. Ah, moi aussi. En indépendant ? Vous n'avez pas trop le droit de le faire en indépendant, mais si vous le faites en indépendant, oui, ça paye bien. Oui, mais il faut énormément de pépites pour faire un seul lingot, voyez-vous. Ah bah, si tu veux faire le lingot, c'est à vous de faire les lingots. Normalement, c'est... Oui. Après, si tu vends les pépites, c'est de l'argent facile. Le moule, il est... on peut l'acheter, en fait. Oui, oui. Bah ouais, ouais, il est en vente libre, hein, mais... Bah mais il devrait pas, en fait, ça devrait être... Oui, il ne devrait pas. Oui, c'est vrai, ça. Où est-ce qu'on voit les pépites, monsieur ? Comment ? Où c'est qu'on vend les pépites ? Ouais, où est-ce qu'on vend ? Pas très loin d'ici, hein. Ah, juste là. Juste là, l'armurier. Le lent à moi. Non, le patron de la mine. Ah putain, impeccable, écoutez. Vous en avez combien ? Ah, j'en ai les zéro pour l'instant, et c'est pour faire un futur proche, très proche. Ah, c'est un bon début, zéro. C'est un bon début, on va faire plus bas. Je vous les reprends pour zéro. On peut pas vous faire plus bas. Là, comme ça, je sais, impeccable. Ben oui, n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, demain, je vais vous faire faire un fusil éléphant. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, ça doit, ça doit envoyer quand même. Oui. Ça doit démonter une épaule, ça, non ? Bah, ça coûte quand même à la goutte d'or. Ouais. C'est là, déjà, ça annonce la couleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que je voie la patronne aussi, parce que dans le truc de référence, je crois qu'il y a un souci par rapport à ça. Hein. Ah non, non, vous êtes bien taxé à 80%. Oui, non, oui, non, oui, enfin, ça, c'est, alors si, c'est un souci, ça aussi, mais je pensais pas à ça. C'est que, moi, dans mon truc, ça me dit que c'est un lingot d'or plus 50$. Ce qui veut dire c'est ça. En gros, c'est vraiment ça, ça ferait 300$, en gros, le... C'est ça. Vous le vendez 300$, sauf si la personne vous ramène un lingot. Et du coup, vous le vendez que 50, dans ces cas-là. Okay. Bah, du coup, nous, vu qu'on a aucun lingot, puis que c'est compliqué dans le coin, ouais, donc ce sera donc 50$ plus le lingot que vous fournissez, quoi. C'est ça, mais après, quand il y aura de l'or, je pourrais vous fournir en lingot. Ouais, bah justement, ouais, c'est pour ça que ça serait bien que ça se mette en place, au moins comme ça, bah, je pourrais vous acheter, alors pas forcément 10 000 lingots, hein, mais au moins déjà en avoir de quoi faire 2-3 fusils d'avance. Bah, avant, ce qu'on faisait, c'est que vous en preniez 5. Moi, vous en avez tout le temps 5. Et ouais, voilà, ouais. À chaque fois que vous en vendez un, vous en prenez un, et voilà, quoi. C'est tout le temps en avoir 5. Bah, c'est pour ça, faut que je voie avec Lauriane. Bah que, enfin, que je veux que je sois vraiment à jour sur tout le truc actuel en fait. Parce que même dans les stocks et dans ce qu'il y a réellement dans les placards, c'est pour ça que je pense que je vois pas les mêmes chiffres, mais en même temps j'ai pas encore accès au hangar derrière là-bas. Donc. T'as du boulot, McCoy. Ah bah demain ouais, ça va être content. C'est ça d'être patron. Ah, c'est dur au début, hein. Oh, je m'en fais pas, c'est un habitué. Je passe mes journées à ça, et j'arrive le soir, je vais refaire ça le soir aussi, du coup. Ouais. C'est pareil, mais en plus facile, ici. Ouais. Ouais. D'ailleurs, McCoy, il faudrait qu'on aille, histoire de se gourdir les pattes un peu, là. C'est bien de trouver un petit endroit pour se poser, tu vois. Oui. Parce que je te rappelle que notre emplacement s'est fait envoler. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous voulez vous branler ? Ce qu'il y avait dedans en plus. Pardon ? Non, rien. T'as dit quoi ? J'ai bien entendu. Ah, vas-y. Non, il a dit vous voulez pêcher. Il a dit. Il a dit vous voulez pêcher. Plus cher, monsieur, vous nous parlez un peu plus loin, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez. Très bien. Et je vais me présenter à vous alors, commencer. Enrico, enchanté. Bonsoir, monsieur Enrico. Enchanté. Et j'ai cru comprendre que vous en savez un peu plus sur ce business, enfin sur ce business, hein, sur le truc de l'or. Vous savez où on peut récolter les pépites, du coup. Bah, voyez-vous, vous pouvez récolter des pépites un petit peu partout dans toutes les rivières, voyez-vous. Mais il semble que les orpailleurs, c'est-à-dire les patrons de mines, connaissent des endroits où il y a des filons, voyez-vous. Où on peut choper un peu plus de pépites, sinon c'est très très long vraiment pour choper une pépite. Et il faut énormément de pépites pour faire un seul lingot. Après, okay. Il faut juste que vous alliez dans un magasin et que vous achetiez une... Attendez, je vais vous dire tout de suite.
Je ne la vois plus. Faut vous achetez un truc pour faire pour prendre l'or là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Déjà, regardez, de toute façon, je pense que le vendeur m'indiquerait la chose. Et après, vous pensez que le repailleur ici présent, le patron de Mime, oui, pourra m'aider lui ou il est complètement, il veut pas les indépendants? Non, je ne pense pas. Il pourra vous acheter des pépites, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il vous dit. Oui, totalement. Qu'il totalement vous dit, normal. Car c'est illégal, hein, vous marchez un peu sur ces plates-bandes, voyez-vous. Après, j'ai bien compris que vous étiez quelqu'un qui faisait des choses pas très légales, voyez-vous. Moi, je fais un peu de tout, vous savez. Moi, malgré mon éducation, je nage un petit peu avec les requins, voyez-vous. Mmh. Et je vous conseille aussi, vous pouvez les revendre aussi aux banditos, qui sont souvent ici, et aussi, avec qui vous pourrez bien vous entendre, je pense. Bien sûr, il faudrait que je les rencontre d'ailleurs. Ce sont des hommes charmants. Et j'en ai bien rencontré. Et aussi, vous pouvez aussi, bon, cela n'est pas très chrétien, voyez-vous, mais vous pouvez aussi piller des tombes et leur revendre les objets directement. Cela peut être très lucratif. Attention, il vous faut une pelle, hein, c'est ça? Oui, il vous faut juste une pelle. Et trouver, bien sûr, des cimetières. Une tombe, du coup. Et bien sûr, il faut être très 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 discret, car même les citoyens, bien sûr, vous en prenez à leur mort, donc certains citoyens ne sont pas d'accord avec ça. Et mais bon, voyez-vous, les morts n'ont pas besoin de leur richesse là où ils sont, hein, mais bon, ouais, ils sont morts et qu'ils laissent leur richesse à d'autres personnes. Oui, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis les Indiens aussi n'aiment pas vraiment ça, car ils sont très portés sur le spirituel, voyez-vous. Ça doit être sacré chez eux. Voilà, donc il faut faire très attention à ça, et puis aussi c'est puni par la loi. Hein. Ouais, bien sûr, je fais attention à tout ça, vous savez. Mais si ça vous intéresse, de temps en temps, avec mon ami Birdie, nous faisons ça, nous pouvons prendre contact, et puis peut-être faire ça ensemble, voyez-vous. Avec plaisir, vous savez, quand on peut se faire de l'argent, on est amis. Bien sûr, monter un petit groupe, c'est ce que je compte faire, moi, monter un petit groupe de fossoyeurs, voyez-vous. Mais c'est très compliqué, car ce n'est pas vraiment dans les mœurs. Hein. Ce n'est pas très bien vu, voyez-vous. Mais ça peut rapporter gros. Hein. Ouais, de toute façon, je verrai, moi, de mon côté, vous savez, je suis... Vous savez, je veux libérer le Mexique, vous savez. Oui, ben, je comprends. C'est pour ça que je vous dis que vous pourriez vraiment très bien vous entendre avec les banditos. Avec les banditos, vous savez, un peu leur état de pensée à cela. Ce sont des hommes très bien, je vous l'ai déjà dit. Ce sont des hommes, par contre, qui n'ont qu'une parole. Et ce sont des hommes d'honneur. Hein, et des femmes aussi. Il y a aussi des femmes dans leur rang. Mais ils sont plutôt beaucoup. Et en vérité, moi, je leur revends directement mes objets. C'est pour ça que je les cherche. Je leur revends directement mes objets. Et il se trouve que... au bout d'un certain moment, ils me donneront carrément l'endroit où je pourrais revendre les objets. Moi-même. C'est pour ça que je vous dis, si on monte un petit groupe, nous pouvons travailler ensemble. Mais il me faut d'abord réunir une certaine somme, voyez-vous. Mais écoutez, moi, de toute façon, je vais être par là, vous savez. Puis oui. On se recroisera, hein, votre ami. De toute façon, j'ai pu faire un rencontre avec lui aussi. Avec Birdie ? Oui, c'est un homme qui voudrait bien entrer dans le groupe de fossoyeurs, pourquoi pas. Je suis intéressé. Ah oui. Ah ben c'est cool, hein, ça nous fera plus de bras. Et puis, il cherche des pépites. Je crois que toi, tu savais où il y avait un filon. Ah oui, moi je sais où c'est qu'il y a un filon, mais c'est un filon... surveillé. Ah ouais, il a une entreprise, quoi. Ouais, c'est un filon... voyez-vous, si les filons... Si tu t'es attrapé là-bas... Oui, mais monsieur n'a pas froid aux yeux, hein. Ouais, mais il y a souvent les gens qui travaillent et tout, quoi. Ah, ok. Comment ça coûte une pépite, alors? Un dollar. Une pépite, un dollar. Oui. Et la plupart des gens ici, ils vont te la racheter 90 centimes. 97. Ok. Bah, écoutez, j'ai fait des informations très précieuses pour moi, vous savez. Oui, il faut bien s'entraider.
bien sûr, je ferai de même si j'ai des informations qui pourraient peut-être vous concerner un jour, on sait jamais, vous savez, je laisse traîner mes oreilles. Moi. Oui, bah moi je suis à la recherche de minerais de fer. Minerais de fer. Jamais. Ok. Ok, bah écoutez, c'est bien noté hein, dans ma tête là. Et puis, eh non, si, on va aller faire un tour, je pense, parce qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui ici. Oui, nous pouvons peut-être aller faire des tombes. Ah oui, et les tombes aussi, il faut les faire la nuit. Hein. Bien sûr. Et puis, pelle et puis voilà. Voilà, une pelle. Et puis aussi, pendant un certain temps, vous devrez rester près de la tombe. Et vous mettez tout ça dans la sacoche du cheval hein. Oui. Oui, oui. Okay. Vous savez un peu les... Je voulais vous demander, comment sont habillés les bandidos? Ah, ils sont habillés avec des chapeaux, avec des petites boules. Bah, comme des Mexicains, voyez-vous. Okay. Ce sont des Mexicains, de toute façon. Bien sûr. Mais vraiment des Mexicains venant de la terre-mer. Ok, écoutez. Là, ça se rapproche un peu de moi, ça me va. Bah, c'est pour ça, je dis, vous pourriez vraiment bien vous entendre avec. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Ah, bien de rien. Buenos días, écoutez. Peut-être une future collaboration ? Peut-être bien, de toute façon, si je fais pas partie de votre groupe, il y aura quand même une collaboration, vous savez, moi je suis quelqu'un. Oui, j'aime nous. Collaborer. Mais, et puis même si vous faites partie des banditos, nous collaborons étroitement avec les banditos, ce sont des braves hommes. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on se dit à la prochaine, j'espère. Oui, à la prochaine, excellente journée, monsieur. À vous aussi. Merci. Putain, cheval, ouvre-moi ta sacoche. Bon, les banditos ne sont pas là. Oui, non, ils sont pas là. Je l'aurais bien demandé là-bas s'ils savaient combien coûtait la canne à pêche, tout ça. Oui. Et combien ça rapporte? Est-ce que tu penses que ça rapporte de revendre de poissons? Bah, je sais pas trop. Si c'est comme les animaux, je vais continuer à creuser. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait peut-être se faire embaucher, car quand nous ne pouvons pas faire d'autre chose... Ouais, mais moi je suis déjà embauché, moi. J'ai un métier, gros. Oui, mais tu as peur d'aller chercher ton salaire. Mais non, mais c'est parce qu'ils vont me virer si j'y vais. Bah voilà. Mais moi j'ai une identité, tu vois, si on me contrôle. Non, oui, on me contrôle, je suis tranquille. Comme tu veux, comme tu veux. Attends, je vais aller demander là-bas les renseignements. C'est ouais, simple c'est à vrai. Trouver. Ouais, c'est vrai. Aïe, quoique, hein, des fois, quand on va dans la rue, on se pose la question qui c'est le plus bizarre. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est dur, mais vous... celui-là, il sort du lot. Ouais, oui, il sort vraiment du lot. Vous pouvez pas le louper. Bon, bah alors, je vais... Bah, et... bon, en vous renseignant, vous allez pouvoir sûrement trouver facilement, je pense. Oui. Avec les habitants. J'ai déjà essayé de s'ennuyer avec plusieurs habitants, mais aucune réponse positive. Oh, bah, je suis vraiment surpris. De même. De même. Ah ouais. Et je ouais. M'attendais à des réponses positives, mais... Ah bah quand je vous dis que c'est des cons... vous mens pas, hein. C'est vraiment des cons, hein. J'aurais une question pour vous. Oui. Savez-vous si la pêche rapporte? Pas beaucoup. Si vous allez pêcher dans autant le bayou... Autant que les animaux ouais. Oh, tu peux vendre le poisson quand même, je sais plus combien de cents. Ouais, mais il faudra avoir des poissons moyens. Ça, okay. Ouais, faut tomber sur du gros, du moyen, quoi, parce que les petits... Bah, le gros, encore, ça rapporte rien, c'est le moyen, parce que il les revend en natif, c'est pour faire le repas. Ah, on peut le revendre directement en natif? Ah oui, si vous en avez, oui. Comme les plumes et le venin de serpent aussi, des trucs comme ça. Oui, les plumes, j'étais au courant, le venin de serpent, je ne savais pas. Oui, ils reprennent ça. Ok, très bien. Et vous savez à peu près combien coûte une canne à pêche, des appâts, tout ça? Ouais, ça coûte une bouteille de champagne au cactus. Bah, après, je sais qu'il fait des offres, genre, ils appellent ça des packs. Il y a le pack des boutons, enfin, il y a... Qui comprend, je sais pas, j'ai dit une connerie, 2 cannes et 30 appâts. Enfin, c'est des chiffres à la con que je donne, hein, mais... Mais voilà, enfin, il fait des petits packs comme ça, il vous explique comment ça se passe. Chercher un... comment c'est? Un Joe Bonjo? Banjo, ouais, il est dans le bayou. Il a son entreprise de pêche. Il est très gentil d'ailleurs. Oui, car voyez-vous, la chasse ne rapporte absolument rien. Et je me suis dit, peut-être la pêche.
Mais la chasse, ça rapporte si vous vendez dans les salons. Aussi, on peut vendre votre viande dans les salons. Ah, on peut vendre directement la viande dans les salons. Donc là, moi, j'ai fait des séances de chasse, ça m'a rapporté presque 8$, 9$ quand j'avais fini de chasser. Ah oui. Ils prennent presque le double du boucher une fois. Ah oui. Mais faut passer quelques heures à détruire des animaux, quoi. Oui. Oui, je vois. Alors qu'à la mine. Alors qu'à la mine. Alors qu'à la mine, il y a juste besoin de piocher. Ouais. Après, si vous regardez dans le journal, il y a des petites annonces et souvent ils marquent quand ils sont vraiment dans le besoin, au prix qu'ils rachètent. Je sais que c'était quoi la dernière fois, c'était la Bastille, donc celui de Saint-Denis qui a racheté les gros gibiers et les myrtilles, je crois, ou les fraises, je sais pas. Ah ouais, ouais, aussi les trucs comme ça, ouais. Ah ouais, ils font des petites annonces comme ça. Ah, il y a les dispensaires qui rachètent des plantes aussi. Ah ouais, j'ai vu toujours, ça ouais, bah ouais, c'est Palastias, de l'or. Voilà, voilà, bonsoir. Non, il y a plein de petits trucs comme ça. Si vous faites un peu de tout, il y a moyen de faire quelques dollars. Oui, et la mine aussi. Et la mine, bien sûr. Oui, nous avons bien compris. Mais la mine, combien payez-vous déjà la mine? 7$ de l'heure. 7$ de l'heure. Hey. Allez, regardez, il y a une belle affiche là. Mine Tumbleweed, recrutement ouverte. Ouvert. Oui, elle est placardée sur tous les immeubles. Oui. Il y en a partout. Il y en a même qui volent par terre. Il y en a même dans la mine. Ouais, il y en a même une dans votre poche là. Hop, allez. N'hésitez pas. Oui, mais je ne sais pas si le travail manuel est vraiment fait pour moi, voyez-vous. Ah, vous êtes plus monocle, bouquin. Oui. Ouais, je crois. La chasse, c'est un peu manuel aussi. Hein. Oui, mais bon, nous sommes dans la nature. Ça reste du loisir. Si vous voulez, si vous me faites une vente. Pour la mine, je vous donne 5% de la vente. C'est-à-dire? Waouh. Vous allez dans les armeries, vous prospectez. Bah, pas celle d'Armadillo, du coup. Vous prospectez, si vous avez une vente là-bas, hop, je vous donne 5% de leur commande. Ouais, ça peut être intéressant. Sachez qu'une commande, ça peut vite chiffrer en plus. Hein. Ouais, pour les armeries, sachez que c'est peut-être 700-800$ des fois. Si vous êtes un bon commercial, il y a moyen. Il y en a qui sont doués là-dedans. Il y en a qui arrivent à vendre deux fois d'affilée à la même personne une bouteille de champagne au cactus. Oui, bien sûr. Ah, pour moi, c'était magique ce moment. Ah oui, ma colle, je t'ai fait rêver. Hein. Ah putain, j'en pouvais plus. Disons que j'ai un petit don là-dedans. À la même personne, c'est vrai. J'avoue que le... Mais c'était pas vous tout à l'heure qui m'avez vendu une bouteille, ça m'a tué. Hein. Ouais, mais toi, tu t'es barré, t'as allé pouffer de rire aux nouvelles. T'as failli niquer ma vente. Hein. Ah non, mais c'était magique. Hein. Il m'a fallu 10 minutes pour le creuser jusqu'à qu'il craque. Et les pierres. Birdie, c'était quoi déjà que tu avais? Des pierres poncées? Des pierres polies. Ouais, ça ne sert à quoi? À mettre à la poubelle. Ok, très bien. Oui. Voilà. Ok. Pour remplir les poubelles. C'est ça. Quand mes mineurs en font, je vais les mettre à la poubelle. Bah, à Nodor, on avait essayé de voir, mais c'est vrai que c'est pas du tout rentable en vrai. Enfin, ça demande un temps de travail de ouf avec aucune garantie en fait dans le résultat, quoi. Ah non, bah après on peut en faire des choses. Hein. Bah oui, mais justement, c'est ça, on a testé en fait les polir, les concasser, tout ça, là, enfin faire toute la démarche. Mais on sait pas réellement ce qu'on récupère, et puis c'est dans un certain temps, au final. C'est ça. Et sachant que nous, le feu pour les cuire, le plus proche, c'est l'Aquateur. Ouais, il n'y a pas plus proche. Non, on a demandé au gouvernement il y a 3 mois. Ils ont dit oui, on va vous le mettre, et voilà. Ah oui. Ah bah, ils vont vous le mettre ici, il y a tout le comté qui vient dans l'armurerie. Ils vont vous mettre un four là, puis à côté du comptoir. Et pourquoi pas. En tout cas, je vais à la Tumbleweed si quelqu'un va là-bas. Ah ben moi j'y vais. Qui va où? Tumbleweed. Tu vas faire quoi là-bas? Bon, je vais aller faire quelques achats vite fait. Et après, on va pas trouver un nouveau endroit. Si tu veux, j'ai un endroit très qui est super sympa. Ouais. C'est dans une grotte. Oh là, non, merci. Non, mais c'est vraiment beau. Hein. Moi, l'humidité. Tu veux pas que je te montre?
Je pense que tu vas tomber amoureux. Allons-y. Whisky, ramène ton cul. Au revoir, messieurs. Au revoir. Avisez-vous bien. Enfin, moi, je vais y aller aussi. À vous aussi. Bah oui, ma collègue. Direction Saint-Denis, j'en ai pour 2 jours. Allez. Tu vas aller où, toi, Guy? Bah, je ne sais guère. En même temps, il veut rien faire. Moi, j'aurais bien été à la mine, tu vois. On va vers... là où il y a les cannes à pêche, alors. Et tu es payé 7$ de l'heure, alors, dans ton boulot, ou pas? Bah oui, c'est pareil. Oh, ça y est, okay. Alors, lui, il a la fièvre. Now. Tu devrais bosser à la mine. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, en plus. Ouais. Moi, je me tâtais à aller bosser à la mine. T'as vu, il m'a dit que je pouvais faire des ventes et tout. Ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant. Bonsoir. Parce que là, je ne sais guère quoi faire, hein. Peut-être le poisson, mais apparemment, ça ne rapporte pas énormément. Oui, y a rien qui rapporte. Bah, en vérité, nous aurions le point directement, ça aurait été bien, quoi. Pour, En fait, c'est ça qui... En fait, vois-tu, ce qu'il faut qu'on fasse, vraiment, c'est les tombes, hein. C'est-à-dire que là, il faut qu'on arrive à revendre jusqu'à avoir 300$. Je crois que c'était 300... Ou 30$, je ne sais plus combien... 30$. Ouais, 30$. Jusqu'à avoir 30$, qu'ils nous revendent la pose et que nous soyons bien, vois-tu. Ou alors trouver la pause. Peut-être chercher. Il faudrait que tu cherches pendant ton temps libre, voir si tu trouves l'endroit directement. Comme ça, nous n'aurions pas à marchander, ah, vois-tu. C'est impossible, ça. Bah, en cherchant bien. Ouais. Voilà, nous avons trouvé la personne à qui revendre de l'or. Donc, nous pouvons peut-être trouver la personne à qui revendre des objets, vois-tu. Ça peut arriver, hein. Et même là, j'aurais dû leur demander directement. Il y a le shérif et tout. Mais non, c'était pas le shérif en fait. Ouais. Non. Oh non, vu de quoi nous parlions, ce n'était pas le shérif. Ah, il semble qu'il y ait déjà un nouveau maire qui soit adopté par la population. Ah, ça y est. Oui. Bon, alors, que veux-tu faire? Je sais pas, faudrait s'arrêter, rater la carte. Bien, arrête-toi, moi je reviens dans 5 minutes, même pas. Je vais aux chiottes. Je reviens.
Je te jure, à force de parler comme ça un jour, je vais rester bloqué, tu sais. Je vais parler comme ça tout le temps. Heureux, mon brave. Oui. Alors ? Bah, je sais pas où aller. Bah, j'ai bien compris. Mais tu vois, c'est pour ça, je me dis, quand tu ne sais pas quoi faire, comme ça, faire un peu de mine et tout, ça peut être intéressant, quoi. 7 ouais, dollars de l'heure, quoi. Moi, je l'ai fait déjà, gros. Et tu le fais une fois, deux fois, et c'est bon, quoi, t'as compris. Oui, je comprends bien, mais bon, c'est quand même 7 dollars de l'heure, c'est plutôt intéressant. Après, apparemment, le saloon qui est ici, il cherche quelqu'un, mais bon, c'est pareil, il faut voir combien c'est payé, quoi, tous ces trucs-là. J'ai l'impression que l'illégal paye beaucoup mieux, quoi. Mais pour l'illégal, il faut avoir des endroits, quoi. Il nous faudrait 30 dollars. Et nous n'en avons que 3. Ça, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Surtout qu'il n'y a pas les banditos, qui ne sont pas là. Mais bien, on change de ville, on va voir si on les voit pas ailleurs. Tu veux aller où ? Eh bien, attends. Je vais rappeler mon cheval. Je monte sur le tien. Je crois que c'est... Voilà. Je vais rêvasser, vois-tu. 5 minutes. Et puis fais ce que tu veux. Je suis avec toi. C'est juste de pas te prendre des murs. Ouais, je sais pas, on va avancer, on verra. Mais déjà, c'est plutôt pas mal. J'ai pris beaucoup de renseignements, vois-tu. J'ai parlé longuement avec eux. Et je me rends compte que je commence à connaître pas mal de monde et que pas mal de monde me connaît, l'air de rien, surtout dans cette contrée. Et ici, c'est ma ville préférée en vrai, mais y'a personne. Bah, c'est surtout qu'ici, nous sommes connus un peu quand même. Hein. Tu as vu, j'ai peut-être débauché quelqu'un pour notre futur groupe. Oui. Et lui, il est venu me voir tout à l'heure, il m'a dit « Ouais, t'as pas de la plata pour moi ?» Ouais. J'ai dit « Non, frérot, c'est la galère. » Oui, mais lui, il a l'air de ne pas avoir froid aux yeux, vois-tu. Donc nous pouvons peut-être former un groupe avec lui. C'est pour ça que je te dis qu'il faudrait que nous trouvions vraiment l'endroit. Soit nous allons débrouiller pour trouver 300 dollars, soit on essaye de le trouver par nous-mêmes. Tu peux pas le trouver par toi-même, t'es obligé de prendre ta main ou quoi. Bah, ça arrive de trouver les endroits par soi-même. C'est interdit. Mais pourquoi ça serait interdit? Regarde, nous avons bien trouvé l'or par nous-mêmes. Ni le bordel de règlement, bordel de merde. L'or, on l'a vendu à un vrai monsieur. Moi, je l'ai vendu à un vrai mec, l'or. Ah non, mais moi, je te parle d'une personne, pas d'un moldu. Ah, mais la finalité, c'est un moldu. Là, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils nous prennent les objets et ils vont l'amener au moldu. Oui, mais c'est ça que je te dis, moi, c'est de trouver un moldu comme ça, en cherchant. Ouais, mais on peut pas. Mais... Pourquoi ? Enfin, ça peut arriver de le trouver comme ça par hasard, dire oh cool, j'ai trouvé le module par hasard, tu vois Je sais pas. Je vois pas pourquoi. En fait, je vois pas pourquoi ça serait interdit en fait de le trouver comme ça. Y'a un cheval là-bas avec une lumière. Je vois pas pourquoi faut mettre forcément 300 dollars pour le trouver, alors que si on cherche et tout, on peut le trouver sur la map en fait. Et je vois pas pourquoi ça serait interdit en fait, c'est juste ça. Je vois pas pourquoi ça serait interdit dans le règlement d'aller chercher et de le trouver. Hello, quoi. Bonjour.
Je croyais que c'était pour nous. Je trouve ce règlement vraiment stupide. Surtout que la première personne qui a revendu le moldu, elle l'a forcément trouvé par lui-même. Écoute, c'est marqué, hein, fais ce que tu veux. Non, mais si c'est marqué, c'est marqué. Mais alors peut-être trouver d'autres personnes qui nous revendent l'endroit du moldu un peu moins cher que $300. Ouais. Même quand ils sont pas là, comment on fait, comme là, tu vois. Bah oui. On est dans la merde. Oui, c'est cela. On n'a pas d'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve l'endroit, en vrai. Peut-être aller à la pêche, hein, disons-nous. Histoire d'engranger $30 quand on peut rien faire. J'ai entendu parler de la pêche et puis nous pouvons aussi chasser les oiseaux et apparemment aussi revendre de la viande au saloon. Apparemment la viande, il ne faut pas la revendre au boucher, il faut la revendre au saloon. Hein. J'ai pris des renseignements là-dessus aussi. Il apprend deux fois le prix. Hein. J'ai des plumes et du venin de serpent aussi pour les quinta. Je sais pas combien il faut leur en amener. Genre des plumes, je dois en avoir 5 ou 6. Et du venin, je dois en avoir 2 ou 3. J'ai envie d'aller à un endroit voir si je peux extraire du minerai d'argent, mais c'est super loin. Oui, apparemment on peut leur revendre du poisson aussi aux Indiens. Ouais. C'est pour ça, ne veux-tu pas qu'on aille pêcher au moins? Ouais, il faudrait voir, mais là je vais aller vers le bagnou, voir, ou je sais pas quoi, ce qu'ils nous ont dit. C'est au bagnou, au truc de pêche, apparemment c'est indiqué. Attends. On va pêcher, on va essayer de faire quelques dollars quoi. Attendant. C'est super loin.
Après, à voir combien coûte une canne à pêche, c'est des appâts. Ouais, il y a du monde. Ça se trouve, ça ne coûte que un dollar. Vois-tu ? Bonjour. Bonjour. Ah, il me semble que c'était des natifs, hein. Ah. Oui, j'ai cru voir des plumes, hein. Je vais aller les voir. Bah, si tu veux leur revendre des... Tu as assez de plumes à leur revendre ? Je sais pas, je vais attendre d'avoir au moins 10. Oui. T'en as, toi ? Non, je n'ai rien. Ah. Mais... C'est dans mon cheval, mais je crois que j'en ai 6. Ah, c'est peut-être dans mon cheval aussi. Vas-y, on va à la canne. Après, ça peut faire un peu d'argent, hein, déjà, directement. Hein. Ouais, j'en ai que 6, hein. Moi, j'en ai 2, vois-tu. Je peux te les donner, on peut leur revendre et direct gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? Ouais. Au moins, comme ça, si ça se trouve, il nous manquera juste un tout petit peu pour la canne et... Ouais, j'ai 2 venins de serpent aussi. En plus, alors attends, bouge pas. Bah qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? On dirait qu'il faut un enterrement ou je sais pas quoi. Bon. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Moi j'ai pas trop envie d'aller les déranger, hein. Ah mec, il faut bien faire des trucs à un moment. C'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent sinon. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Au moins prendre contact en fait, tu vois. C'est une façon de prendre un premier contact. Attends, je peux plus partir maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait, putain ? Ah, ils sont là. Ouais, c'est des natifs, ils ont un arc et tout.
qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Bonsoir. Ciao. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il va louper la vente. Qu'est-ce que tu fais, Birdie? Je peux plus rien faire. Ah putain. Bah, nous voulions savoir. On nous a dit que vous pouviez racheter des plumes et tout, mais mon ami a un problème là. Mm-hmm. Il n'arrive plus à bouger, je ne sais pas, je ne comprends pas, et c'est lui qui a les plumes. D'accord. C'était pour savoir combien seriez-vous prêt à racheter des plumes, à peu près? Les trocs et contre des carquois, passé. Ah, vous fonctionnez par le troc? Oui, fonctionnez même plus facilement par le troc, oui. Après, Isha pouvoir te renseigner plus que moi, à mon avis, oui. J'attends mon ami, il ne sait pas quoi faire et il tourne en rond. Mais ça dépend, vous avez combien de plumes? Je crois 8, 6 ou 7. Pas beaucoup. Non, c'est pas suffisant. Oui, il en faudrait combien à peu près? Beaucoup plus. Une vingtaine? Non, plus, mais. Même dans plus? Les environs, quoi. Ouais, ok, d'accord. Entre 20 et 30, quoi. Entre ça. Et on me parlait aussi de poisson. Vous seriez prêt à racheter du poisson aussi? Oui, mais alors là, ça sera pas comment on le rachète, le poisson. Ok. Et pardonnez-moi, de quelle tribu faites-vous partie? Otanoué. Otanoué, ok, d'accord, très bien. Si tu nous cherches, on est au nord. Au nord de Valentine. Au nord de Valentine. Oui. Très bien, très bien. Bah, je reviendrai vous voir pour commercer avec vous pour du poisson, des plumes et aussi du venin de serpent. Oui, très bon. Il y a l'air soucis. Eh bien, merci. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Si tu veux venir au camp, tu rentres pas dans le camp, c'est tout. Comment? Si tu veux venir au camp, tu rentres pas dans le camp. Ah non, non. J'ai une petite bûche cassée que tu vas pouvoir rester à côté, oui, dans la montée. Non, 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 je ne vais pas pénétrer sur vos terres, voyez-vous. Là-bas, te dire bonne lune. Oui. Et faire attention à vous, Honnête. Oui, vous souhaitez la bonne lune. Faire attention. Bien. Espérez pas vous voir rôder ici trop souvent, oui. Non, non, nous ne rendons pas là, c'est juste que nous vous avons vu et nous voulons avoir des renseignements. Daksha. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Je peux plus tourner ma tête. Bien fait une sieste. Échappe. Oui, j'ai tout fait ce que tu veux. Bah, une sieste, hein. Je ne vois que ça. Si je regarde le cheval comme si j'allais le tuer. Fais une sieste. Casse la tête. Hein. Monte dessus voir. Hey, je mets plus rien dedans. Hein. Faut qu'on fabrique un coffre. Une sieste? Non, c'est bon là. C'est bon? Tu t'es barré avec, je crois que ça l'a enlevé. Ok. Ouais, il m'a dit qu'il fallait au moins une vingtaine de. Entre 20 et 30 plumes. Hein. Ouais, bah oui, j'étais sûr. Pour avoir quoi? Bah, il a dit un carquois, mais. Ah ouais. Il fonctionne c'est là plus. Où tu mets les flèches. Ouais, il fonctionne plus par le troc en vérité. Mais moi je veux de l'argent, de la monnaie. Ouais. Je vais parler de poissons, de venin, voilà. J'ai pris un premier contact, vois-tu. Oui. Bon, que faisons-nous? Allons-nous vendre du poisson Oui, si tu veux, on peut aller. J'ai trouvé une entreprise de pêche. Bah, très bien, bah, je monte sur ton cheval alors. Attends, je vais rappeler le mien.
Putain, les pierres, je me suis fait chier à les miner et tout, ça rapporte rien. Là. C'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Je peux les mettre à la poubelle, quoi. Je trouve une poubelle pour la remplir aussi avec mes pierres. Hein. Oh, et on se fait attaquer. Ah, c'est des loups. Ah, c'est... Fuis. Ah, ils me suivent encore, c'est pas possible. Il y en a un qui est parti. Non, c'est bon. Il m'a dit aussi que si on voulait revendre, si on voulait commercer avec eux, il fallait aller sur leur, il ne fallait pas rentrer sur leur terre, il fallait rester devant et attendre. Ouais. Putain, j'ai eu un crocodile aussi tout à l'heure là. Cyril Aluna. On me l'a déjà dit. On m'a déjà dit que je ressemblais un peu à Cyril Aluna. Qu'est-ce que cette terre est grande. Eh, j'aurais bien avoir le même salaire que lui. Ouais, y'a quelqu'un qui s'est fait une petite cabane là. Et je sais pas dans quel manuel il a trouvé pour faire cette cabane, tu vois. Ah ouais, ça. Vu comment il gagne, mon gars. Comment il est blindé, le gars. Mais le pire, c'est que Cyril Aluna, en vrai, moi je regardais tes PMP au début quand c'était sur France 4. Et c'était bien en vrai, maintenant c'est devenu un peu n'importe quoi et tout. Au début, c'était bien tes PMP au tout début. Pareil, il me faut du coton aussi. Maintenant, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Je veux vraiment fabriquer une caravane là. Mais j'aimais bien moi au début. Ouais, je veux vraiment fabriquer une caravane et il faut. Minerai de fer, j'aurai même plus coton, la télé, en vrai. Planche. Ça fait un bon bout de temps, je regarde plus trop la télé en vrai. Mais avant, je regardais pas mal et tout, et j'aimais bien au début. Mais depuis qu'il est sur C8, c'est devenu n'importe quoi. Au début, quand il y avait Jean-Luc Lemoine et tout, c'était trop bien quoi. Les 4 tiers, ouais, je crois que c'était les 4 tiers de Jean-Luc Lemoine, c'était trop bien. Maintenant, ils sont partis en couille. Et encore, j'ai l'impression, là, la dernière fois, j'avais vu il y a pas longtemps, là. Et pourquoi ils s'arrêtent ? Ils essaient de se racheter un peu une conduite. On va pas encore bouffer du foin, celui-là, là. Genre, ils voient que le peuple, ils aiment le bon ross aussi.
Ils voient que le peuple ils aiment plus trop et tout, alors ils... Tain, j'aurais dû demander Orange tout à l'heure, là. Comment ça couche une brosse. Alors ils font le truc de... D'inviter des gens et tout, qui racontent leurs problèmes et tout, en fin d'émission, genre. Est-ce que je peux boire sur le cheval ? Il faut que tu achètes plein de choses, mais n'oublie pas qu'il nous faut 30$. Hein. Moi personnellement, j'essaie de pas dépenser trop mon argent pour ça, quoi. Si je le dépense, c'est surtout pour faire plus d'argent, vois-tu. Quand nous aurons l'emplacement de la revente d'objets, nous pourrons acheter tout ce que nous voudrons, vois-tu. Oh. C'est pas ça le manoir dont tu parlais ? Okay. Le truc c'est que je vais pas aller voler le coton, tu vois. Là, je pense que tu vas dans le champ, tu prends du coton, tu vois, mais... Mais ? Je pense pas que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Bah... Pour en avoir. Oui, c'est mais... le champ à quelqu'un, tu vois, genre. En même temps... Nous sommes dans les terres de l'Ouest, hein. Ouais, tu veux qu'on en prenne un peu ? Bah, c'est pour attends, toi, en fait. Attends, il y a un camp juste là. Bah, c'est pour qu'on fabrique un petit camp, quoi. Comme ça, tu vois, genre. Bah oui. Genre, je vais essayer, voilà. Juste au bout, là. On va se cacher un peu. J'ai peur qu'il y ait un mec qui nous voit, tu vois. Mec, nous pillons des tombes. Oui, mais il fait nuit, et c'est pas... C'est les gens, tu vois. Là, le mec, il les a plantés. Ça récolte, tu vois. Mur, ceux-là. Ceux-là, ils sont mûrs, là. Regarde, ils sont blancs. C'est du coton, ça ? Ben, on dirait, hein. Ouais, je crois que c'est des champs de coton. On va se faire tirer dessus. On peut rien faire, hein. Oui, non. Pas prendre du coton. Je vais essayer peut-être avec ma pelle. Alors ? Non, même avec ma hache, ma pioche et tout, je peux pas. Dommage.
continue. Après un raccourci, hein. J'ai entendu du bruit derrière moi. Ah oui, il y a quelqu'un à cheval. Heureusement qu'il nous a pas vu dans son champ. Oui. Attends, il s'est arrêté au même endroit que nous. Peut-être il sait vu comment on en prend, non? Ah sur Rhodes. J'allais dire, je suis jamais venu ici. Il y a aussi les cambriolages peut-être aussi. Je sais pas du tout. Là c'est un champ de quoi ça? Maïs. On peut en prendre tu crois? Je ne sais pas. Si c'est comme le coton. Ouais, des oranges, j'ai réussi à en prendre, tu vois. Comment je vais faire alors, hein? Eh, j'y pense, Red Dead, il marche encore alors ou pas? J'ai pas été voir. Alors j'étais faire mes fragments là, j'ai pas été voir. Red Dead. Walking Dead. Pas Red Dead, Walking Dead. Qu'est-ce que c'est loin? C'est là, c'est là. On va prendre des oranges. C'est là que j'ai pris des oranges tout à l'heure. Je suis en train de cuire des oranges, tu me frappes. Allez, prends le sac.
Bon, t'as fait les courses? Oui. Et monsieur nous regarde depuis tout à l'heure là-bas, sur son cheval. Casse-toi vite. C'est bon, on lui dira la vérité, on est des clochards, on a faim. Ouais, prendre des risques comme ça pour 2-3 oranges. Moi, je suis plutôt bien chaud pour la pêche en vrai, tu vois. Si ce n'est pas très cher d'avoir une canne à pêche, tout ça. Ouais, ben on y va. Ça peut être intéressant de revendre aux natifs. Ouais. Après, ils fonctionnent par le troc, ils disent, mais moi je ne veux pas faire de troc, moi je veux de l'argent. Ah bah attends, apparemment ça serait ici. Ça va se mettre dans là. Après, il faut que le gars soit là, quoi. On va aller voir, hein. C'est un peu le problème, à cette heure-ci. C'était là en plus la dernière fois. C'était là dans le jeu qu'il fallait que t'achetais des cannes à pêche en plus. Y a-t-il quelqu'un dans les environs? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Attends, je m'en bats les couilles, je prends les poules. C'est des poules. Il y a personne. Hein. Faut vite que je les enlève. J'ai bien facile à tuer. Puis ça donne des primes en fait, surtout. Bonsoir. Putain, j'ai eu le bon time là. T'as pas trouvé? Non. Moi non plus. Mais c'est ici. Oui, c'est ici, mais le gars n'a pas l'air d'être là. Par contre, j'ai tué des poules. Ça m'a fait un peu de plumes. Avec 8 plumes. C'est pas mal. Une plume et de la viande de poule. Oh, Rocky, viens voir. Oui. T'as vu, mets-toi là, tu peux prendre des bouteilles. Mais si tu restes devant, je ne peux pas. Ça marche pas.
Non, ça ne marche pas. Ah non. Oh, tu as vu le poisson? Là, il y a une canne à pêche, là, je peux pas la prendre. Putain, il y a des crocodiles là-bas. Ouais, ça ne perd. Hein. Putain, ça fait chier, on a fait tout ce déplacement pour que dalle parce qu'il est pas là le mec. Oh, il y a un camp là-bas. Dommage, nous sommes déplacés pour rien. Ah oui, c'était super loin en plus. Hein. Ouais, c'est chiant. Attends, on est vers où là? Est-ce qu'il est fou là, j'arrive pas. Ah, c'est peut-être lui. Bonsoir, monsieur. Monsieur, monsieur, bonjour, bonjour. Ceci est un hold-up. Bah, vous n'allez pas avoir grand-chose à voler. Ah, et votre ami, il a quelque chose? Rien du tout, nous sommes dégueux. Oui. Ah. Pour vous en sortir, il faudra me donner un café et un morceau de viande. Non, c'est bon. Mais en vrai, vous avez pas un café? Ce que j'ai fait, je voulais prendre mon cheval et je l'ai fait cuire, du coup, il faut que j'attende. J'ai de l'eau. Et de la viande, si vous voulez, un petit peu. Elle est cuite ou pas la viande? Non. Ah non, alors ça ira pas. Non, mais nous sommes des sans sous. Hein. C'est vrai qu'on a pas grand chose là. Oui, pas grand pas. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ça, on a rien, frère. On peut même pas te faire braquer, frère, on a rien. Un café, lui. On peut même pas se faire braquer, on a rien, gros. Mais ouais. C'est mort derrière. Au début, je croyais que c'était le mec de la pêche, tu sais. Non, je regardais ma carte, j'ai entendu une voix. T'as entendu ceci est un hold-up? Parce que je voulais aller à une mine que j'ai découvert, genre. Mais pareil, si je vais là-bas et que j'arrive pas à extraire du fer, oui. Je vais être dégoûté, quoi. Ah non, mais là, c'est la loose, hein. Je vais peut-être retourner à Armadillo. Ah, pour une demi-heure. Oui. Mais je vois que ça, en fait. On n'avait plus que la pêche. Oh, c'était un poisson, ça. Prends-le. Il est comment? Il est de bonne qualité? Il est nul à chier. Ah oui? Oui. C'est un gros, un petit? Ouais, il est gros, hein, mais il est nul. Il
Mais attends, si on pêche des poissons comme ça pour les revendre aux Indiens, comment allons-nous faire? Oui, on le met sur le cheval, hein, comme un animal. Ouais, mais... Les Indiens vont pas nous dire... Il faut plus. Ah, ça, il faut toujours plus, hein. Ouais, mais comment on peut faire, hein? C'est la merde. Eh oui, parce que si je le mets à l'arrière de mon cheval, c'est pareil, il prend toute la place. Bah oui. On peut pas l'éventrer. Non, on peut pas. Non. Pardon. Putain, faut qu'on arrête de rester côte à côte comme ça, là, c'est horrible. Chaque fois que tu fais une touche... Oh mais merde! J'essaye de prendre le poisson! Vous m'entendez? Oui? Mon bras? Entendu? Oui. C'est le monsieur là-bas? Je sais pas si c'est lui. En fait, je sais pas si c'est lui ou si c'est le vendeur de canne à pêche. Oui. Mais c'est le vendeur. Tiens. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Est-ce que c'est le vendeur de canne à pêche? Vous m'entendez? Ouais, là. Oui. On vous entend, oui. Mais à moitié. Mais on ne vous voit pas, hein. On dirait qu'il se déplace. Putain, ça se trouve, c'est fou, ça se trouve. Ah, dans le buisson, peut-être. Monsieur, nous cherchons à acheter des cannes à pêche. Êtes-vous là? Non, il n'est pas dans le buisson. Il n'est pas dans les toilettes, enfermé. Peut-être qu'il est parti dormir, il revient. Nous avons peut-être trouvé le vendeur de cannes à pêche. Hein? Nous avons peut-être trouvé le vendeur de canne à pêche. Oui. Putain, ça se trouve, il était invisible, mais il m'a vu tuer ses poulets et tout, frère. Eh oh, le monsieur le vendeur. C'est toi qui chiffre? Oui, pour pas qu'il reste au milieu de la route. Rappelle-le. Fais le fuir. Non. Monsieur le vendeur? Monsieur le vendeur. Mais wesh.
Mince. Oui, je sais pas. Un rapport judiciaire, je crois. Bah, c'est que je ne vois pas quoi faire, en fait. Hein. À part aller retourner à Armadillo. Tac, tac, tac. Mais j'attendrais bien, quand même, c'est des viseurs. Oui, on aurait dit qu'il était là, mais... Non, on aurait dit qu'il était là, mais qu'on ne le voyait pas. Pour ça, je t'ai dit peut-être attendre un peu, peut-être qu'il est parti faire une sieste. Et tu as vu, maintenant, il y a deux poissons. Je le vois pas. Ah oui ? Oui. Pourtant, je l'ai mis sur ton cheval. Mais je le vois pas. Là, on a un poisson chacun. Et tu vas aller vendre ça où ? Ouais, c'était juste histoire d'eux. Histoire de faire quelque chose, quoi. Là, la ville à côté, on peut aller à Valentine, c'est sur la route, comme ça, après, si tu vas à l'Armadillo. Au saloon, je sais pas, il rachète la viande, mais il rachète du poisson. Je ne sais pas. Oui, bah apparemment, le monde va s'éteindre dans 30 minutes, hein. Donc, Non, tu vas voir. C'est-à-dire, tu vas voir. Moi, je pense pas que le monde va s'éteindre ce soir. Ah oui ? Oui. Pourquoi donc ? Parce que c'est une belle soirée. Ok. Ça veut dire peut-être qu'Amine, il est en train de live. Sur Red Dead. S'il me dit ça. Le truc qui est pénible, c'est qu'il y a tout qui est loin, quoi. On est loin, là. Oui. Et il n'y a pas le vendeur. Ça m'énerve. Par contre, j'ai tué des poules, je me suis fait 8 plumes. Papa. Oui. Ça se trouve, le mec me voyait en train de tuer ses poules. Ah, vas-y, moi je vais aller me faire un cimetière, c'est bon, mes couilles. On va à Armadillo ? Bah, il vaut mieux aller tout en bas hein, pour faire le cimetière. Dans tous les cas, nous avons de la route à faire. Ouais, ça me saoule. Bah tu sais quoi, retournons à Armadillo. Et
Et s'il n'y a personne à Armadillo, nous allons aller à... Attends. Nous allons aller à Tumbleweed et faire des cimetières, hein, vois-tu? Non? C'est une bonne idée, au moins nous faisons quelque chose. Ouais, je sais pas. Ouais, ça fait de la route, mais bon. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Non. Oh, attends, il y a des poules. Et hop, des plumes en plus. En vrai, il y a que ça à faire. Je sais pas, mais à part rester là, regarder les F ou faire des objectifs, quoi. Moi, je m'efforce de trouver des trucs à faire, quoi. Reviens, j'espère que je vais pas me faire arrêter le temps que je cours. C'est quoi là?
Ouais, genre, j'ai checké un peu sur mon téléphone, c'est pour ça que c'est Amine qui est sur le serveur, alors il dit qu'il va pas, répop. Mais je pense qu'il va quand même répop dans 30 minutes. Et c'est pour ça qu'il voulait pas faire, je le connais. Je pense qu'il veut aller le voir, un ami. Ouais, je pense, c'est pour ça qu'il disait je sais pas et tout. Je pense, hein, après je sais pas. Mais ça sert à que dalle. Streamhack et tout, ça, non. Il risque de faire son truc, et si tu croises, tu croises, et sinon voilà quoi. Tant pis quoi. Ça va, on a pas des. Un zouz là. J'ai besoin de boire. Et de manger. En fait, j'en avais de la. Non, c'est de la viande crue. Ouais, je crois, il m'a dit que c'est pour ça qu'il avait, que le serveur il avait pas répondu. C'est vrai que normalement ils disent 10 minutes et tout. Je vais aller voir et en parlant de ça là, il fait quoi admin genre. Alors je suis sûr il a déjà tout, le cheval, il a déjà tout genre. Ah ouais, il a déjà le cheval et tout, son cheval il est scellé et tout, wesh.
mort de rire. Fusil, il a deux fusils, un cheval et tout, mais gros. On vit pas du tout la même expérience, quoi. Mort de rire. Il est avec deux gars, il a un cheval scellé et tout, deux fusils. Une dinguerie, tu sais. Nous, on est des charclots, on galère, tu sais. Lui, en même pas deux jours, frère, et le mec, il a tout, tu sais. On les met tous sur un plateau d'argent, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et c'est vrai, mon collègue m'a dit aussi. Pareil, mort de rire. Le mec qui vient d'arriver, on lui donne une mission, une relique, 4 000 $, frère. Mec, impossible, gros. Un lingot, ça vaut 300 $, gros. Et faut 2 jours pour faire un lingot, tu sais. Mort de rire, tu sais. Vas-y, donne-lui carrément les clés du serveur, hein. Sera mieux. Mort de rire. Moi, on m'a jamais proposé un contrat à 4 000 $, hein. Va chercher ça. Genre, le mec, genre, il a des missions, tu sais, comme s'il jouait au jeu. Comme s'il jouait au jeu Red Dead Online, tu sais. Comme s'il jouait au jeu, tu sais, genre il a une histoire, tu sais. Il y a des quêtes, tu sais. Quête secondaire, quête journalière. Tous les jours, il a une petite quête journalière à 4 000 $. Que les admins du serveur lui créent, quoi. J'ai perdu mon collègue. Je sais pas où il est parti, mon collègue.
oui, un cheval. Scellé et tout, quoi. Bizarre. Ouais, 10 minutes. Non, non, ils vont redémarrer le serveur. Hein. Bah alors, il est pas sur le même serveur que moi, comme je disais. Mon collègue, il me dit sûr. Sur un cheval, je sais pas ce qu'il fait. Je crois que c'est mon collègue. Hein. Bah, je voulais essayer de l'attraper, mais. En fait, la lumière, elle va vraiment s'éteindre. Hein. Ouais. Je te l'avais dit, hein. Mais hier elle s'est pas éteinte. Ouais, c'est pas parce qu'il y a des stars que. Ouais, pourquoi hier elle s'est pas éteinte? Peut-être parce que je t'ai dit, c'est peut-être pas le même serveur. Hein. Si, si, mais frère. Ou peut-être parce qu'il vient de finir là. Non, non. Si, si. C'est désert, putain. C'est une dinguerie, ça me rend ouf. Y'a Sun PR, putain. Ça me rend dingue. C'est le désert. Ouais, on dirait un truc pour faire des duels, tu sais. Grave. On se met chacun d'un côté, là. On va faire... Non mais attends, mais j'en ai marre, moi, de courir partout, là. Partout où on va, et on voit personne. Bah oui. Bah raison de plus pour aller faire des tombes. Le serveur il va rip-hop. Ah ouais, mais il fera quand ça va rip-hop, il fera nuit.
Il fera pas nuit. De toute façon, le monde va bientôt s'éteindre. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Au pire, on verra demain. Hein. Je crois que je vais me croire dans l'après-midi. Demain. Oui. Il faut vraiment trouver des gens, ouais. Ah, moi, je vais me croire le soir, hein, je te préviens. Ouais, moi, je me croire tout le temps. Surtout que je suis en train de me redécaler pour me recaler. Genre, je crois que demain après-midi, je vais me caler dans un ranch, là. Dans une écurie. Et je vais attendre. Oui. Le croisé du monde. Bonsoir. Bonjour. Je vais attendre le croisé du monde, tu vois, genre... Faut qu'on soit avec des gens, au moins 10, tu vois, genre. Oui. Du coup, voilà. Sinon, bon, on n'aura jamais de sous. J'ai pas envie d'aller travailler à la mine. Hein. Ni ailleurs. Bah oui, bah j'imagine moi j'ai essayé. Pour 7$, quoi. J'ai essayé de m'efforcer à qu'on fasse des choses quand même, tu vois. C'est raison but, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, ouais. Faut quand même avoir des buts, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on a eu des buts, mais. On peut pas l'acheter. Ouais, on va là, il n'y a pas les banditos. Là, il n'y a personne, gros. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu personne comme ça. Oui. J'ai un indien jusqu'à me passer. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, il y avait des gens, hein, mais il n'y avait pas les banditos, quoi. C'est les banditos qu'il faut qu'on trouve. Ouais, ouais. Après, ils nous ont pas dit d'autres endroits, ils nous ont dit ici, quoi. On sait même pas c'est où leur. Leur maison ou quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça, là, déjà. Je pense qu'avec tout ce que nous avons, enfin, entre ce que j'ai moi et ce que t'as toi, on a bien 5 ou 6 dollars, quoi, tu vois. Ah ouais, mais même plus, hein, je pense. Hein. C'est possible aussi. Tu vois, j'ai 8 bouteilles d'alcool frelaté. Et à la fois, ils en voulaient de ça, tu vois. C'est pour ça qu'il faudrait que. Qu'on ait encore plus, comme ça, au moins, quand on les croise, on. Ça se trouve, on aura directement les 30 dollars et on pourra directement. Trouver l'endroit, vois-tu. Allez, il reste quoi? Il reste 5 minutes là. Putain, on aura même pas le temps. Ouais, de toute façon, il fera pas nuit. Non, c'est pour ça, moi je serais pour qu'on s'arrête là. De toute façon, ouais, de toute façon, là je me sens pas de retourner à Saint-Denis, gros, c'est à l'autre bout du monde là-bas. Voilà, demain peut-être revendre ce que nous avons. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du monde que dans les grandes villes, tu sais. Oui. Genre Saint-Denis, les villes riches là-bas. Ben, en fait, là je te dis. Attends. Je peux pas écraser l'oiseau. DS, hein, DS. Attends, nous allons. Je vais me coucher. Ouais. Ouais. Ah oui, j'ai vu, t'as marqué, il y a Amine sur le serveur. Ils auraient pu l'enlever, ce truc de merde, là. De... Après, s'il s'est barré avant le... Ben oui, je te dis, il s'est barré avant le truc, ils s'en battent les couilles, ils vont pas l'enlever. Ah non, ça... Mais je te dis, c'est oh, peut-être. Putain, ah non, c'est bon, j'ai eu peur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait personne sur le serveur, parce qu'ils voulaient tous rôder autour de lui, tu vois, histoire de le croiser, tu vois. Je te dis, il y a beaucoup de genres de fanzous, tu vois, qui veulent. Ah putain, il y a Amine sur le serveur, ah bah attends, je vais aller le voir dans le jeu et tout, tu sais, il y en a plein des gens comme ça, tu vois. Qui veulent faire des scènes avec lui, machin et tout. Mais ça sert à rien, faut juste le croiser comme ça par hasard, et si tu le croises pas, bah tant pis, c'est pas grave. C'est bon. Ça va pas changer ta life, hein, gros. Hein. Faut déconner. Hein. Après, ouais, lui, il a pas l'air de jouer au même jeu que nous, hein.
Frère, et... c'est bon, il avait 4 000 $ et tout, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Je disais, ouais, à Wallabox, je disais, ouais. Lui, en fait, il a une quête, tu sais, il joue au jeu en mode histoire, quoi. Ouais, il a une quête journalière faite par les admins tous les jours, tu sais, à 4 000 $, tu sais. On joue vraiment pas au même jeu, quoi. J'allais dire, si on le croise, on le braque, frérot, mais il est plus armé que gros, tu veux le croiser, tu vas le braquer, tu vas faire un truc qui plaît pas, tu vas te faire bannir, frère. Bah, les couilles. Il y a tout ce qui est plus armé que nous, quoi. Oui, et puis de toute façon, tu vas le braquer, je te dis, il y a tous les fans Zeus qui vont venir. Oh putain, Amine, il se fait braquer, attends, faut qu'on aille l'aider. Eh, c'est tombé. Je te dis, tu le croises, voilà. C'est un joueur comme les autres, gros. C'est pas parce qu'il lâche pas combien de followers, frère, que voilà. Hein. C'est juste que voilà, vu qu'il est connu, bah, il est plus aidé par les autres, donc il aura forcément une plus grosse place sur le serveur, quoi. Voilà, hein. Mais je te dis, faut vraiment qu'on arrive à avoir le point, quoi. Faut qu'on arrive à se faire 30 $ pour pouvoir acheter le point, quoi. Parce que ça casse les couilles, gros. Ouais. Par contre, c'est chiant, on ça. Est obligé d'attendre, non. On peut pas faire de sous tant qu'ils sont pas là, les chapeaux man. Là. Ouais, et j'avais pas vu dans les règles, genre qu'on pouvait pas le trouver comme ça par hasard, tu vois. Et j'ai tout lu l'autre fois, gros, laisse tomber. Putain, c'est abusé qu'on puisse pas... Parce que franchement, sur GTA, par exemple, tu vois, tu peux trouver les points toi-même, quoi, tu vois. Mais... T'es pas obligé de les acheter, de toute façon. Et moi, je suis sûr qu'il y a des mecs, frère, qui achètent pas les points, hein, qui les trouvent. Hein. C'est sûr et certain, gros. De toute façon, tu vas pas avoir un modo tout le temps qui va voir... Si t'as acheté un point ou quoi, tu vois. Voilà, après, ouais, j'ai pas envie de faire toute la map, gros. Déjà que tu prends 6 mois pour aller d'un point à un autre. Ouais, mais bon, c'est quand même con que si tu trouves par hasard, tu puisses pas l'utiliser, quoi. Ouais, s'il faut, il est dans la montagne, tu vois, tu sais pas. J'ai pas envie de chercher toute ma journée pour rien. Non, mais genre, regarde le mec qui revend les lingots d'or, là. On l'a trouvé par hasard. Ça veut dire que si on avait fait des lingots, qu'on avait réussi à faire des lingots et qu'on aurait revendu nos lingots, et ben on aurait pu être ban, genre. Mais non, mais ça, c'est l'épicerie qui tu peux vendre tes lingots. Ouais, mais c'est un PNJ. Mais oui, non, mais c'est le marchand. Ouais, mais tous les marchands ne revendent pas des lingots. Tu veux, à qui tu peux racheter des lingots, à qui tu peux vendre des lingots, hein. Il n'y a que le marchand de où on était. Hein. Tous les marchands, tu peux pas leur revendre des lingots, tu vois, donc c'est un point, l'air de rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Donc si on avait réussi à faire des lingots, même si bon, impossible quoi. Mais si on avait réussi qu'on les ait revendus, genre, ça veut dire que là, tu sais où c'est. Mais il faut quand même que tu demandes à quelqu'un où c'est, que tu lui donnes de l'argent pour pouvoir y aller, alors que tu sais déjà où c'est. C'est un peu... Voilà quoi. C'est un peu productif quoi. Après, ouais, pour le RP, c'est clair que c'est mieux quoi. Ça fait vivre le RP quoi. Il m'a envoyé... Ah non, il m'a envoyé... Mais c'est dommage, quoi, je trouve. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop long, ce jeu. Ouais, c'est sûr, quand t'as pas les admins dans la poche, mon gars, quand t'as pas des quêtes à 4 000 $, Dès que t'arrives sur la map, c'est pas la même. Hein. Ah, bah en fait, Walking Dead, c'était bien ce que je pensais, c'était que pour le week-end. Ouais. Ouais, parce que là, tu peux plus y jouer. Putain, c'est abusé. Qu'ils le sortent, leur jeu, putain. Et Big Time, à part te dire, oui, on a prévu ça, frérot, sortez vos trucs et fermez vos gueules, frère, ça me bat les couilles. Et c'est bon, ça fait 3 mois que tu nous parles là de tu vas sortir, oui. Frère, là, sont...
Ouais, ils sortent rien. Frère, ils ont fait un blog là encore, ils 150 millions de kilomètres, machin. Non, mais même tous les jeux, frère, tous les jeux Nous avons taquiné un personnage très spécial qui enverra dans une aventure amusante et stimulante dans le patch 027. Ouais, bah, sors-le. Ouais, sors-le ton patch. Nous avons également annoncé que de nouveaux matériaux et inventaires de montres arriveraient. Le PDG de Big Tam a partagé une annonce importante sur notre serveur Discord. Nous avons mis à jour notre économie wiki. Ah bah tiens. Mais ça y est. À jour notre économie. Genre, il y a l'économie, genre ? J'en sais rien, gros, je t'envoie le truc, régale-toi. Attends, si nous avons mis à jour notre économie, et c'est peut-être, ils ont peut-être pas sorti l'économie non plus, quoi. Ah non, je pense pas. En fait, ça se trouve, c'est bâtard, ils ont dit qu'ils sortiraient l'économie, mais non. Genre, ils vont nous faire juste un truc. Non, non, on a juste mis à jour. Un truc sur Open Loot, machin et tout, tu sais. Attends, voici quelques mises à jour et modifications importantes. Nous avons mis à jour les valeurs des recettes d'artisanat pour les manèges militaires, les forges et les gardiens du temps. Alors on dirait que je joue même pas Big Time. Hein. Mais c'est ça, les forges et les gardiens du temps, c'est des trucs qui donnent de... Moi, je suis tout rendu. Ah oui, même tes caisses et tout ? Ah, tout, gros. Ah oui, mais c'est vrai que toi, t'as pas de... De toute façon, t'as pas de... Temps. Moi, je veux voir, mais ça veut dire que l'économie, elle est sortie, en fait. Nous avons ajouté des détails sur les portails prestige. Super, waouh. Nous avons ajouté des informations sur les nouvelles ressources clés, bonus roll, chips, cosmétiques. Les détails du bonus de l'ensemble de couleurs à collectionner. La merde, quoi. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas eu de mise à jour et tout à l'heure je suis rentré dessus, j'ai pas eu de mise à jour. Donc ils peuvent pas avoir mis les gardiens du temps et tout sans avoir fait de mise à jour. Les détails de leur récompense postcard airdrop. Les récompenses ont été initialement mentionnées lors de la révélation de notre économie. Ils nous sont maintenant ravis de les partager avec vous. Eh vas-y. Mais attends, ils ont révélé l'économie mais ils n'ont pas sorti encore en fait. Vous pouvez désormais échanger vos cartes postales dans Open Loot. Quoi, ça, une carte postale ? T'en as, toi, des cartes postales ? Carte postale, c'est les nouveaux objets bizarres. Attends, regarde. Nous avons eu une conversation avec l'équipe de développement pour parler de certaines fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement. Gardez à l'esprit que les sujets abordés ne sont pas garantis d'apparaître dans le prochain patch. Oh, ouais, génial. Ils te font rêver, gros, t'es même pas sûr que ça sorte le prochain patch. Quelle bande de bâtards. Alors, il faut parfois plus de temps pour finir de peaufiner les détails. C'est des tueurs. J'imagine Scamland, là, il ferme le jeu, il se barre. Ouais, il pourrait, hein. En vrai, il pourrait, s'il voulait. Ça, tu vois qu'il y a de moins en moins de monde et tout, ça doit leur faire peur. Hein. Ah, mais c'est l'été en même temps. Oh, ils ont mis des cinématiques, quoi. Non, on peut toujours pas les ouvrir, les caisses. Hein. Ah ouais. Ouais, tu peux même pas mettre ton gardien du temps et tout. Non, non, non. On peut parler, gros. Bon. Tu peux pas aller pour rien. Tu peux les vendre, mais tu peux pas les... Présentation des cartes à collectionner Big Time. Et ça sort d'où, ça ? Carte postale du futur. Je te dis, c'est... Nouvelle connexion, c'est des NFT. Oui, oui. C'est les casques et tout, là. Tu sais que tu me disais, ah, ils ont les casques de flics et tout, machin et tout. C'est des cartes postales, en fait. Mais c'est des airdrops. C'est un airdrop qu'on est passé à côté, j'ai pas vu et tout, mais c'est des airdrops parce que quand tu voyais les mecs, c'était pas revendu ou drop ou quoi, c'était en airdrop, c'était Open Loot, c'est des gens, ils ont donné à Open Loot. Moi j'ai pas eu de carte, hein. Et par contre, les armes et tout, elles ont augmenté, j'ai l'impression. Ouais, demain je me connecterai moi dans l'après-midi là. J'essaie de rencontrer des gens, gros. Je vais rester dans un... Tu vois au ranch où on était allé tout à l'heure là. Ouais. Je vais rester là.
Et je vais parler aux gens. Il y a un qui me dit, vas-y, viens, on va faire un tour ou quoi, tu vois. Ouais, par contre, il y a tout qui a augmenté, là. Enfin, pas tout. Genre 1, 2... Ouais, ouais, il y a tout qui a augmenté. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout qui a un peu augmenté, genre. On va faire voir mon épée, là. Combien elle est, maintenant? Genre, il y a une hache. Maintenant, elle se revend 4$, gros. Alors qu'avant, tu pouvais la revendre 3$ et quelques. Ah, moi, mon épée, elle a pas bougé. Ah, elle a pas bougé, ton épée? Bah, je l'ai vendue combien, moi, déjà? 150? Tu peux le voir, hein. Si tu descends, tu vois ton truc. Plus. Ah, Sokazi. 153, je l'ai vendu. Là, le dernier qu'il a vendu, il a vendu 110. Ah ouais, et celle qui est en vente, elle est à combien? 140. Ah voilà. Ouais, ça a baissé en fait, ton épée. Ouais, pas tout. Il y en a un qui vend l'épée numéro 1, tu vois. Mmh. Hashtag 1. 10 000 balles. Wow. Bah après, c'est l'hashtag 1. Ouais, ouais, c'est la 1. Les collectionneurs sont là. 10 000 balles pour une épée, quoi. On va acheter une vraie, je sais pas. C'est clair. C'est des fous. Ouais, genre là j'ai un sceptre et un 50 et il est à 2$ maintenant. Un sceptre de merde, hein. Ouais. Bon bah on verra demain soir. Vas-y, hein, bah moi je te dis, je pense que je me serais fait un pote ou deux. Bah ouais, ça serait pas mal. Je vais camper un ranch. Je vais pas bouger, tu vois, tout le monde qui passe aux écuries. Bah en vrai, si t'arrives à te faire un pote et à trouver le point pour revendre directement... Le mieux, c'est que je trouve, tu sais, des gens qui sont par deux ou par trois carrément, tu vois. Et je leur dis, oh, vous faites quoi et tout, je vais avec vous, tu sais. Je vais avec eux. Hein. Ouais, et puis si t'arrives à avoir le point pour revendre les objets, ouais, sans avoir à débourser de l'argent, c'est encore mieux, tu vois. Ouais. Ça, t'as le droit, ça. Ça, t'as le droit. Trouver un gars qui... Ouais, c'est un mec qui m'amène, c'est bon. Juste on va faire ça. Mais à chaque fois, en fait, vu que c'est un truc illégal, tu vois, même tout à l'heure, je voulais leur demander s'ils savaient où c'était et tout. Mais vu que c'est illégal, voilà. Ouais, ils vont pas, soit ils vont, enfin, ils vont pas te le dire, de toute façon. Ils vont soit te dire paye, ou ouais, soit ils vont pas te le dire. Oh, mais c'est possible de trouver un mec sympa qui nous le dit. Hein. Ouais, ouais. Pote avec ou quoi, et même je pense qu'un mec sympa, je sais même pas si ça existe. Hein, il va vouloir se faire des sous sur toi, le mec. Hein. Ouais, dans tous les cas, ouais. Au pire, il va dire hein, soit tu me donnes tes objets, j'y vais, ou soit après, peut-être je me dis, tu vois, Armadio l'autre fois là qu'on a vendu au mec, on lui a passé les objets, c'est barré, il est revenu. Ouais, il a pas mis longtemps en vrai. Bah oui, je me dis, tant bien, le mec il est là-bas, tu vois. Mais oui, mais si on n'a pas le droit de le trouver par nous-mêmes, ouais. C'est un peu abusé, mais moi je pense que oui, de toute façon, il est là-bas. Mais après, c'est pareil, on n'a pas le droit de le trouver par nous-mêmes, mais est-ce que on a le droit de le suivre? C'est pareil, tu vois. Est-ce que moi, si j'y vais avec mes objets, tu sais, toi, tu le suis un peu de loin? T'es sûr qu'il n'y a pas une mise à jour, là, sur Big Time? Il m'a envoyé un mail et tout, gros. Bah non, moi, j'ai pas vu de mise à jour. Hein. Ils me disent, nous sommes ravis de partager avec vous la première d'une série de mises à jour communautaire, en nous partageant des idées, des aperçus. Ouais, mais nous sommes ravis de partager avec vous la première d'une série de mises à jour. Ouais, donc, c'est qu'il y en a une. Ouais, mais moi j'en ai pas eu tout à l'heure quand je me suis connecté. Ouais, parce que on n'a pas le droit de ça, mais ça se trouve, genre le mec, genre j'y vais avec mes objets, je revends, tu sais. Je lui donne et quand il se barre comme ça là. Genre, tu le suis, tu sais, genre, en plus, il faudrait qu'on arrive à acheter des jumelles, tu sais, t'achètes des jumelles, tu le suis de loin, tu sais, tu vois. Là, t'as le droit de faire ça, quand même. Ouais, y a moyen. Pareil, les feux de camp et tout, je comprends pas comment c'est on RP. Fait pour en avoir. Bah, faut les acheter, hein, t'as vu l'autre, il a dit, ouais, vous avez pas un feu de camp?
Ouais, mais tu dois pouvoir les fabriquer, tu sais, tu prends du bois. Ouais, oui. Ça se trouve, il n'y a que les Indiens qui peuvent le faire, ou je sais pas. Je sais pas, mais je vais me renseigner demain après, mais au moins je serai. Je vais essayer de trouver où c'est que je cherche du fer. Parce que c'est ça qui me manque en vrai. Construire un truc du fer. Essaye de regarder où est-ce que tu peux acheter des jumelles aussi. Ah, c'est vrai que j'en ai pas vu, hein. Ça doit être dans les villes de riches aussi. Parce que en vrai, comme tu dis là, j'avais pas pensé, tu vois. Mais c'est vrai que quand il est pas parti longtemps, tu vois. Ouais, t'as vu, il est parti, puis il est revenu, genre, ouais, c'est bon. Ouais. Donc soit il a été les donner à un gars qui lui a donné de l'argent, je sais pas. Mais je pense pas. Mais... Soit il est parti les revendre direct et il nous a donné la moitié, quoi, tu vois. C'est pour ça que je me dis, au pire, tu t'achètes des jumelles, tu sais, tu me passes les équipements, je lui revends. Enfin, je lui donne. Ça nous coûterait moins cher que 30 $, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je lui donne, toi, tu te mets de loin, tu te surveilles. Et on se fait ça comme ça, quoi. Vas-y, on va faire ça. Parce que ça, c'est RP, l'air de rien, quand tu y penses. Hein. Je pense pas qu'on puisse faire bonne pour ça. Hein. Ouais, oui, c'est RP, parce que si le mec il nous chope en train de l'espionner, tu vois, Ouais, on va nous ouais. enculer. Il va nous enculer, hein. Mais c'est pour ça que je te dis, avec des jumelles, tu peux te mettre loin et bien voir, tu vois. Donc il peut pas te choper, je pense, tu vois, si tu te mets assez loin. Faut que j'arrive à trouver des potes gros qui que ça fait un moment qu'ils sont là, tu vois. Aussi, mais comme tu dis, ils vont tout le temps essayer de te niquer, tu vois, de te trouver de t'exploiter, tu vois. Ouais. Après, tu sais, c'est comme le mec de tout à l'heure, là. Tu sais, on arrive à se faire tous un peu de sous, on dit ouais, on met tous des sous et on a le point, et comme ça, après, on l'a tous et on se démerde. On fait notre bise tranquille, quoi, tu vois. Juste, on est ensemble, on se couvre, tu vois ce que je veux dire? On s'associe, quoi. Quand on va faire des cimetières, on se le dit, on fait tous des cimetières tous ensemble, comme ça, s'il y a les marshals et tout, on peut leur tirer dessus. Pareil, il faut qu'on s'achète des bandeaux et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut prendre des masques, mais moi j'en ai un, mais en fait j'avais acheté une tenue entière. J'ai une tenue sans masque et une tenue avec masque. Mais Ouais. c'est pour ça, pour commencer déjà, je pense qu'il faut acheter les jumelles, trouver le point. Et si on n'arrive pas à le trouver, bah petit à petit on va revendre et on va se faire des masques, on va se faire un groupe et se trouver un groupe pour faire ça, tu vois. Et genre on met tous de l'argent ensemble. On les a les 30 $ si on met tous ensemble, tu vois. Ouais. Et on se fait ça. Comme ça, on a le point, on est bien. Et là, on peut revendre directement et engranger de l'argent avec les cimetières, quoi. Pour l'instant, moi, le seul truc que je vois, c'est les cimetières. Après, il y a peut-être d'autres trucs à faire aussi, hein. Ouais, tu disais les cambriolages et tout, si ça marche ça, c'est incroyable. Ouais, il y a peut-être les cambriolages, machin et tout. Et en plus, je pense que le mec à qui tu revends les objets des cimetières, je pense que c'est les mêmes mecs à qui tu revends les objets des Je pense que cambriolages. tu peux lui... Je sais pas si tu peux pas lui acheter des trucs aussi à ce mec-là, tu vois. Ouais, aussi, ça se trouve. Ouais, ça se trouve, tu peux acheter des trucs pour faire des cambriolages et tout aussi. C'est pour ça, il faut qu'on le prouve. Et si on ne le prouve pas avec les jumelles, faut qu'on le prouve avec les 30 $, quoi. Et pour les 30 $, bah soit on fait full cimetière jusqu'à qu'on ait 30 $. Et encore, même quand on aura les 30 $, t'as vu le mec, il a dit, ouais, normalement, on ne le fait pas, ça. Mais après, l'autre, il nous a donné sa parole. Tu vois? Ah Tu vois, des fois c'est bien de parler avec les gens, parce que des fois ils disent des conneries, tu vois, et une fois qu'il t'a donné sa parole, tu dis ouais, mais ton pote il a donné sa parole, mais après il faut que son pote y revienne aussi, si ça se trouve son pote il a arrêté, on est niqué, quoi. C'est pour ça que je pense que vaut mieux quand même déjà faire le truc des jumelles, comme je te dis. ouais. Parce que si on suit de trop près, il va nous griller le mec.
Surtout que toi, t'es grave reconnaissable avec ton chapeau et tout. Même moi, je suis grave reconnaissable. Mais si on le fait de loin, genre tu te cales quelque part, moi je le revends, tu nous suis avec les jumelles, tu regardes où il va. Pas, par contre, s'il se barre, genre donner à son pote et nous donner les sous comme ça, dégoûté quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en vrai. Parce que c'est vrai, t'as raison, il est vraiment parti il y a pas longtemps. En vrai. J'y avais pas pensé, mais il est vraiment parti pas longtemps. Genre comme si c'était juste à côté, quoi. Parce que même si c'est dans le comté d'à côté, le temps qu'il a mis, c'est pas le temps d'aller d'un aller-retour dans la ville d'à côté, quoi, tu vois. Ah là, il est resté dans l'armadio, hein. Ouais, ouais, ça doit être dans la ville. Ou alors, en tant que bandit, il peut revendre directement, mais ça m'étonnerait. Parce que même l'autre qui était pas bandit, lui a dit, ouais, si tu veux, je te rachète tes objets et tout, tu vois. Et puis, il nous avait dit d'aller à Armadillo, tu vois. Même s'ils sont souvent à Armadillo, ils ne sont pas tout le temps, l'air de rien. Donc, je pense que c'est fait exprès, en fait. Ouais, ouais, on va faire ça, tu vas le guetter. Et... Vas-y, mais de toute façon, moi, je vais me connecter demain après-midi. Je vais aller voir aux écuries, je te dis, ou au pire, j'irai voir là où on mine, là. Ouais. Ah, il y aura les mecs qui travaillent, tu vois. Mais même, hein, ça se trouve, je te dis, il y a moyen de se faire encore plus de dessus. Ça n'avait pas marre, là, de faire ça, sérieux. Et hop. Même, ça se trouve, il y a moyen de se faire encore plus de thunes sans... Parce que même moi, j'avais entendu parler de pavot. Genre, il y a de la drogue. Ça, ouais, je l'avais récupéré, moi. Ben, pas là, avant, tu vois, quand je jouais avec Jimmy. Ouais. Mais genre, il y en avait plein, il y en avait partout, gros, par terre. Ouais, genre, il y a de la drogue. Ça se trouve... Et je faisais de l'opium. Ouais, voilà, mais... ça se trouve, tu peux revendre de l'opium à un gars. Je sais comment je l'ai fait, gros, j'avais les recettes d'opium et tout. Hein. Il faut avoir les recettes et tout pour faire l'opium. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est pas facile, tu vois, mais ça se trouve, il y a petit à petit, je te dis, on va commencer par les cimetières, histoire de se faire un petit butin et tout, tu vois. Et une fois qu'on a assez d'argent, on voit pour... Là, ça me casse les couilles, hein. Tain, il y avait vraiment le temps, on a croisé personne aujourd'hui. Les banditos, là, ils cassent la tête. Ouais, les banditos, on les a pas vus une seule fois. Hein. Ouais. Ça se trouve, ils sont tous fait ban, hein. Non, je pense pas. Hein. Vas-y, ben on verra demain. Vas-y, ça marche. Attends. Je veux voir un truc vite fait. Hein. Bon, je suis en train de regarder. J'ai tout mis sur GTA là. Ouais. Oh, je change de page, je regarde mes mails. Je reviens sur sa page. Il est sur Red Dead. Ah oui, mais je crois qu'il joue pas à Red Dead RP, lui. Il joue à Red Dead, le mode histoire. Ah ouais. Ouais. Hier, j'étais passé sur son live et il joue à Red Dead, mode histoire. Oh, ah, mais cherche pas, hein. Maintenant que Amine, il s'est mis. Tu sais, Amine, l'air de rien, maintenant, c'est un gros streamer. Hein. Ouais. Donc, ils vont tous faire comme lui. Hein. Ils vont tous venir sur Red Dead. Hein. Oh, vas-y, je vais aller manger des pâtes, je crois. Vas-y. Bah, bon app. Bon app, Simer. Moi aussi, j'allais me faire à manger. Et après, je vais me reconnecter, mais non, même pas. Je vais me reconnecter pour faire The Walking Dead, mais c'est ma idée, même plus. J'ai chaud, j'aime que les petits films, je crois. Putain, j'ai regardé Barbie, gros, ça pue la merde. Ah, t'as regardé Barbie, wesh. Bah ouais, bon. T'es un ouf. Et je me suis dit, le cinéma, apparemment, il y a tout le monde qui en parle, gros. C'est soit ça, soit Oppenheimer, tu vois. Sérieux, il y a tout le monde qui en parle du film? Ah ouais, mais gros, et ça a fait 370 millions de
de vues, je crois, dans le monde. Mais t'es sérieux? Bon, Eh, hey, tu veux un truc? Moi, j'ai pensé direct à ça. Tu vois, Noël. Ouais. Tous les enfants, les petites filles et tout, ils vont vouloir acheter des Barbie. Quoi. Ah ouais, c'est vrai. Paris sur la bourse, là, je sais pas quoi, là, sur Barbie. J'ai regardé, elle est cotée en bourse et tout. Moi, j'ai regardé hier, ils ont cloné Tyrone. Rien que t'investis dedans, moi, dans Barbie. À la fin de l'année, 1er janvier, tu vends tout. Et ciao. Ouais. T'as dit quoi, toi? J'ai dit, moi, hier, j'ai regardé, ils ont cloné Tyrone. Quoi, ça? C'est un film qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps, là. Ah ouais? Il y est sur le site aussi, là. Je suis sur le site, je le vois. Il est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est ouais, pas non plus ouf, tu vois, mais il est pas mal. Flash. T'as regardé quoi? Ça, Fear the Knight. C'est quoi, The Fear? Flash. Ah, Flash, et alors, t'en as pensé quoi? Moi, oh, ça va. Ah ouais, moi je l'ai trouvé à chier, franchement. Ça va. Oh là là, moi je l'ai trouvé à chier, le film. Après, c'est comique, quoi, tu vois, ça qui... Ouais. Genre, les DC, il y en a d'autres qui sont bien mieux que celui-là. Après, les seuls films qu'ils ont mis, ils sont en VOSTFR, j'ai la flemme de lire. Ah ouais, bah ouais. Oppenheimer, il a l'air pas mal, hein. Ouais, mais après, moi, c'est pas trop mon délire, ce film. Mais plus, il est là. En plus, c'est avec le mec de Peaky Blinders. Qu'il est pas fait en bien, genre. Ah ouais, donc merde, pas... ça me fait chier de regarder les films en pas bien, quoi. Je crois que l'image, elle est bien, mais le son, il est pas ouf. Ah. Il y a une connerie. Mais en plus, c'est avec le mec de... Ouais, ça parle de la bombe atomique et tout, tu vois. C'est plus un documentaire, ça, pour moi, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'est avec le mec de Peaky Blender, non? Ouais, je crois. Ouais. Ça, Resident Evil, c'est quoi encore à nouveau? De quoi, Resident Evil? Je sais pas, il y a un film Resident Evil... Ah ouais? Dit Iceland. Je l'ai pas vu. Il est en français et tout. Ah ouais, Resident Evil. Ouais, c'est à nouveau. 2023. Ah ouais, ouais, il y a écrit 2023. Ah, mais c'est en image de synthèse. Ah, c'est genre en animé. Ouais. Ouais, ouais, c'est genre en animé. Je crois, hein. Ah non, 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 il est en film. Ah ouais? Là, je vois des pieds accrochés, gros. Des vrais pieds. Ok. Ah, attends, ah ouais, non, c'est ah en... Ah non, 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 c'est en... C'est en... C'est comme les jeux vidéo, ah, là. En 3D, mais bien fait, gros. Ouais, ouais, c'est comme les jeux vidéo, quoi. Je m'attendais vraiment à des dessins animés, tu vois. Ah non, non, mais c'est comme une cinématique de jeux vidéo. Ils font beaucoup, ça. Ah, il y a moyen, je vais regarder ça, je crois. Ah ouais? Bah ouais. Je savais pas quoi faire, tu vois. Petit plat de pâtes, bim. Moi, j'ai peut-être regardé Futurama, là. Putain, mais c'est 2h30. Ouais. Ah ouais, moi, là, de toute façon, je me suis réveillé à 22h, frère, quasi. Ouais. Et demain, je vais me réveiller à 23h, hein. 3 ou même minuit, ça se trouve. C'est fou. Alors moi, là, je vais me coucher à 4h, tu vois, je pense. Temps de manger et tout. 4h, je me réveille à 11h max, tu vois. Je suis en forme, quoi. Ah, mais moi, c'est pour me recadrer. Genre, je me décale pour me recadrer. Genre là, je vais me coucher à... Je vais me coucher... Hier, je me suis couché à 15h. Là, je vais me coucher à 16-17h. Après, je vais me coucher à... Après, le lendemain, je me couche à 18-19. Ah, après, ouais. Le surlendemain, 20-20, jusqu'à que je sois cadré, quoi. Normalement, une semaine, je me recadre comme ça. En fait, moi, c'est comme ça. À chaque fois, de toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est toujours, tous les soirs... Tous les jours, je me couche toujours une ou deux heures de plus et c'est comme ça que je me décadre et que je finis par me recadrer. Genre, ça fait un cycle, quoi.
Alors Barbie, ça pue ? Moi, j'ai même pas regardé, frère. C'est comme la petite sirène, quoi, tu vois, c'est genre de truc, et je me dis, ça sert à même pas, enfin... Ah, la petite sirène, moi non plus, j'ai pas regardé. Pourtant, j'ai regardé des merdes, hein. Mais ce type de truc... J'ai pas regardé la petite sirène. Genre, je pense pas être le public, quoi. Je pense que c'est plus les meufs qui sont plus le public de ça, quoi. Ouais, non, je sais pas. Je vais rester sur Resident Evil là. La flemme du chercheur en vrai, tu vois. Moi, je pense que je vais regarder Oppenheimer. Vas-y. Je me dirais en vrai, c'est un docu ou quoi. Ouais. Ou Barbie, maintenant tu m'as dit qu'il y a tout le monde qui en parlait et tout. Je me dis, j'ai envie de regarder maintenant. Bah ouais, il est hype en vrai. Ah ouais. Voilà, c'est éclaté, frère. En fait, ça me fait bizarre de me dire je vais regarder Barbie, quoi. Regardez, je me suis dit quand même, je sais pas, si jamais je passe à côté d'un truc ou quoi, c'est jamais. Ouais, bah ouais. Bah surtout si tu me dis que c'est hype et tout, moi j'étais pas au courant de ça. Mais gros, arrête. Oh, écris Barbie dans ton navigateur Google. Ouais. On va voir, ça fait des paillettes et tout, gros. Mais t'es sérieux? Ouais, écris-le bien, B-A-R-B-I-E, dans la recherche Google, gros. Ouais, c'est n'importe quoi. La page, elle est toute rose et tout, Google, maintenant. Ah ouais, mais t'es sérieux? Mais c'est quoi ce délire? Je te dis, c'est la hype Barbie, gros. Mais t'es sérieux? Mais j'ai jamais vu. Mais t'es sérieux? Moi non plus, la page elle est rose et tout après, tu sais. Oh le délire! Je te dis, là, si t'as des sous gros, investis dans la bourse de Barbie, frère. Mais ils ont pété un pont, mais ils ont jamais rien n'a été fait comme ça, quoi, en fait. Le 26 décembre, tu vends toutes tes actions, frère. C'est abusé. Ah ouais, ça fait des genres de des paillettes et après ça rosifie la page, quoi. C'est des fous. Mais ça se trouve, ça y était déjà avant. Hein. Après, j'ai jamais tapé Barbie. Mais moi aussi, en même temps, j'ai jamais tapé Barbie dans ma barre de recherche. C'est vrai, j'ai tapé Oppenheimer. Je me suis dit, peut-être là, il y aura une explosion. Genre, ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, mais après, Barbie, gros, ils ont tellement d'argent que ça se trouve, ils ont fait un truc, je sais pas. Putain, ouais, j'ai... Putain, je suis espanté, là. Je vais être obligé de voir des films, hein. Mais j'ai pas envie, quoi. Ouais, tu vas voir, après, moi, ce que j'ai kiffé, en vrai, dans le film, c'est les décors et tout, tu vois. Genre, c'est insane. Mais c'est tout, quoi. Ouais, t'as vu, à la voix, que c'est n'importe quoi, mais j'avais jamais pensé, genre. Tu tapes Barbie dans la barre de recherche, ça te met Google en rose et tout, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai regardé voir comment il y avait des trucs en salle là, ça m'a fait délirer. Mais gros, mais même moi ça m'a espanté là. C'est n'importe quoi. Ouais, ils sont partis en couille de fou. Ah ouais, qu'il fasse ça avec BTC. Ah bah attends. On sait jamais. Oh, tu tapes Bitcoin. Bitcoin. Tu tapes des sous, là. Tu tapes Bitcoin sur Google, y a pas. Hein. Non, t'as pas des pièces qui tombent là. Ah non, t'as que dalle, frère. Fais voir. Bitcoin, moins 4%, moins 422 balles. Et merci. Et merci, mon pote. J'ai aussi du Stellar. Mais là, le Stellar, gros. Moins 1145. Tu te rends pas compte. J'ai marqué paradis. Soit je vends maintenant, j'arrête de perdre des sous. Soit j'attends qu'il remonte.
Marqué paradis, t'as pas des petits nuages ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, y a que ça en vrai. Ah, c'est Barbie. Mort de rire. Ça m'a donné envie de regarder, mais frère. Moi, je te dis, y a que les décors que j'ai bien aimé, quoi. Genre, c'est Barbie, quoi. C'est. Plus sur le site là, t'as l'image, elle est impeccable. Et le son, je sais pas, j'ai écouté au casque, comment ça allait. Ouais. Bah écoute, j'ai regardé ça. Hein. Ah, si, tu me diras. Ah, sinon, il y a Poncho Villa. Poncho Villa. Ça m'a l'air d'être une série. Ah ouais, c'est une série. Coupé, ouais. Me dis, vu que c'est le Walking Dead et tout. Walking Dead, vu que c'est en période Red Dead. Ça peut être pas mal. Il y a 10 épisodes. Ouais, ça, le problème, c'est qu'il y a que 10 épisodes, quoi. Je viens de voir. Ça va, c'est une saison entière, quoi. Ouais. Ça va nous sortir, hein, sortir le 19 juillet. Ouais, c'est pour ça. Il n'y a pas le résumé, il rentre fou à pas marquer le résumé à chaque fois. J'aime bien lire le résumé avant de regarder un truc. Ah, mais c'est qu'en VO, c'était faire. Ah, mais il y a un drapeau français. Ouais, mais. Du VO, c'était faire. Bon. Bah, bon app, gros. Vas-y, toi aussi. Hein. Ciao, ciao. À demain. Ciao, ciao. Bah lui il a déjà vu. Mais, ça, mais il se pentera toujours lui, okay. Genre lui qui est vachement, tu sais, qui est... Il me dit qu'il a regardé Barbie, wesh. Genre même moi, c'est comme la petite sirène, des trucs comme ça, je vais jamais regarder ça. Même là, franchement, je pense que je vais pas le regarder. Hein. Je vais regarder Oppenheimer ou un truc comme ça. Hein. Genre de truc, c'est pas mon truc quoi. C'est plus Poncho Villa par exemple, tu vois. Par contre, le truc Google là, que tu marques Barbie sur Google et que ça fait des paillettes et tout, franchement, un truc de fou. Ils ont pété un plomb, les gens. J'étais même pas au courant, quoi. Je savais même pas que Google pouvait faire ça, en fait, tu vois, pour certains mots. Ça se trouve, il y a d'autres mots comme ça. Ça se trouve, il y a d'autres mots ou titres que tu marques sur la page Google et que ça te change ta page Google. Bon, sur ce, peace. À demain. Bah demain, Red Dead encore. De toute façon, à ce moment-là, en Play to Earn, il n'y a plus grand-chose. Il y a tout qui est en développement. Et ce qui est en développement, il n'y a plus de joueurs vu que c'est l'été et que voilà, quoi, c'est un peu mort, quoi. Donc, ce sera pas Walking Dead, putain, Red Dead. Demain, Red Dead, on va essayer de faire 2-3 trucs. Faudrait que je reprenne Spider un peu. Mais quand je serai recadré l'après-midi, je ferai un peu de Spider et de Big Time. Et le soir, je ferai du Red Dead. Mais ça fait du bien un peu de jouer un peu à Red Dead et tout, à jouer à des vrais jeux. Mais le problème, c'est que là, il n'y avait rien à faire, en fait. Nous, on n'est pas amis, hein, frère. Hein. Nous, on n'a pas les développeurs qui nous créent des missions, quoi. Hein, et faut qu'on les trouve, quoi. Faut qu'on trouve des objectifs par nous-mêmes, quoi. Et s'il n'y a personne, et bah, on est dans la merde, quoi. Genre là, on voulait aller pêcher. Ah, il n'y a pas le vendeur de... Il n'y a pas le vendeur, bah merde. Tu vois, on a fait toute la moitié de la map pour rien.
On voulait aller vendre nos trucs qu'on a été chopés dans les tombes. Il n'y avait pas les banditos, on peut rien faire. Ah quoi, et puis après le reste, on connaît pas trop quoi. Après on voulait vendre aux Indiens, on n'a pas assez de plumes et tout, donc voilà, on est niqué. Quoi qu'on fasse, on est niqué quoi, tu vois, c'est un peu frustrant quoi. C'est pour ça là, faut qu'on s'organise mieux. Je vais aller revendre les objets au truc. Il faut qu'il trouve des jumelles. Une fois qu'il a les jumelles, comme ça, il le suit de loin. Et après, on a le point et on peut faire nos trucs, quoi. On peut faire un peu d'argent et tout. Et avec l'argent, s'acheter des équipements et tout. Des armes, faire des trucs, quoi. Et avancer un peu dans le jeu, quoi. Parce que là... Là, t'as pas de mission... T'as pas un point où ils te disent ouais bah tiens fais la mission, tu vas aller faire un braquage et t'es blindé quoi. Ou tu vas aller voler une relique et t'es blindé quoi. Non. Ça arrive quoi, ça arrive. Nous, les petits randoms, ça nous arrive pas, ça. Faut qu'on galère. Donc voilà. Et pourtant on parle, hein. T'as vu, je parle à des gens. C'est pas comme si Mon collègue, après, lui, il est comme ça et tout. Je lui dis, mais frère, c'est pas comme ça qu'on avance, en fait. C'est comme pareil, les Indiens, ouais, ils font leur truc et tout. Bah ouais, mais s'ils font leur truc, machin et tout, si tu vas pas les voir parce qu'à chaque fois, t'as l'impression que machin fait quelque chose et que tu vas voir personne et que tu fais tout de ton côté, tu peux pas avancer. Hein. Il faut que t'ailles voir, que tu parles, que tu prennes des renseignements, que tu fasses des scènes RP, en fait. Si tu passes ton temps à courir un peu partout et... à courir comme un poulet sans tête, et bah t'avanceras jamais dans le jeu, quoi. Faut se faire des contacts et tout. Mais là, je pense qu'il a compris, parce que là, il m'a dit que cet après-midi, il allait se connecter et tout. Et qu'il allait se faire des contacts et tout. Qu'il allait se faire des potes. Mais il faut le faire, quoi. Mais voilà. Sur ce, peace. À demain. Moi, je vais manger. Ciao, ciao. Pour l'instant, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Logique, c'était une grande victoire. Bravo. Alors quoi ? Vous êtes venu ici négocier une espèce de marché. Vous croyez avoir toutes les cartes en main parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde ? Allez-y. À vous de jouer. Refondez-le. Éclatez-vous bien. Peignez des arcs-en-ciel ou firmament. Mais n'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Ils ne veulent pas de cette sensiblerie. Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir. Ils veulent seulement qu'on les contrôle. Ils ont soif du confort de l'autorité. Et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons, inconscients et tout seuls. Comme tous les humains. Nous ne sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer deux ou trois choses. J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament, et toi ? Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire. J'ai oublié, c'est facile d'oublier. Avec lui, ça l'est. C'est certain. Il faudrait qu'il y réfléchisse.